Mesdames, Messieurs, nous allons commencer notre réunion. On va commencer par faire l'appel. C'est Laetitia qui est volontaire. Merci. Bonjour à tous. Nous allons procéder à l'appel pour ce conseil communautaire du 22 novembre 2021. Alors, monsieur Adouat Jean-Claude. Monsieur Faisal Ahmed Vali. Madame Marie-Alexandre. Pas présente. Monsieur Bada Trafic. Procuration Bruno Domaine. Madame Beg Danila. Procuration à Romine. Madame Bello Huguette, procuration à Monsieur Séraphin. Monsieur Bellon Carle. Procuration à Monsieur Alain Bénard. Madame Béton Jasmine. Madame Boucher Suzel, procuration à Madame Rougeau Hélène. Madame Cadet Isabelle. Présente. Présente. Madame Jocelyne Cavan-Dallel. Madame Pascaline Chironet-Mazine. Monsieur Michel Clément. Monsieur Jackie Codarbox. Madame Cousin Mélissa. Présente. Monsieur Yann Crichton. Présente. Madame Dali Brigitte. Présente. Madame Denise Delavanne. Présente. Monsieur Bruno Domaine. Présente. Madame Marianique Florian, Monsieur Tristan Florian, Monsieur Didier Fontaine, procuration à Madame Dallel, très bien. Monsieur Maxime Fromentin, merci. Monsieur Perceval Gaillard, Madame Catherine Gossard, Monsieur Pierre Guinet, merci. Madame Marianique Camille Caro. D'accord. Ah, donc vous êtes présente, Madame Alexandre, et vous avez la procuration de Madame Amile Caro. Merci. Monsieur Henri Hippolyte. Présent. Monsieur Olivier Waraud. Présent. Madame Waraud Florence. Pas de procuration. Elle est là. Je n'ai pas entendu. Non. Monsieur Gilles Hubert. Présent. Madame Jocelyne Janin. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Jean-Noël. Madame Brigitte Lorestan. Madame Annick Le Toulec. Madame Laetitia Le Breton, je suis présente. Monsieur Patrick Legros. Monsieur Philippe Lucas. Monsieur Julius Métanir. Madame Vanessa Miranville. Merci. Monsieur Jean-Bernard Monnier. Madame Mireille Morel-Coyanis. Madame Marie-Bernadette Mouniama-Cuvelier. Monsieur Mouniata Armand. Monsieur Guilin Moutama Chediapin. Pardon. Madame Marie-Josée Mussar-Poléa. Merci. Monsieur Salim Nana Ibrahim. Monsieur Jean-François Nativel. Monsieur Irshad Omarji. Madame Mélissa Palama-Santon. Madame Paula Lucie. Monsieur Daniel Posé. Madame Roxane Posé d'Amour. Madame Armande Permalnaïc. Monsieur Alexis Poignin-Coulin. Merci. Monsieur Philippe Robert. Madame Rougeau-Hélène. Madame Salé Virginie. Présent. Monsieur Séraphin Emmanuel. Présent. Madame Silosia Jacqueline. Il y a une procuration pour Monsieur Codarbox.
Absente. Bon, donc non, absent. Madame Tavel Amandine. Madame Victorine Églantine. Et monsieur Dominique Viramacoutaille. Le quorum étant atteint, nous pouvons Merci. Débuter la séance. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, avant de commencer la séance, nous aurons à examiner deux motions. Donc, une première motion relative à la réforme de la CDPENAF, demande d'avis simple au lieu de l'avis conforme. C'est une motion qui avait été proposée à l'ensemble des maires juste après l'élection. Donc c'est une motion que l'on souhaite faire remonter avec l'ensemble des élus de la Réunion au plus haut niveau sur cette partie-là, donc qui vous sera présentée. La deuxième motion concerne une proposition relative au développement durable des Hauts de l'Ouest et en particulier de MAFAT, qui va vous être lue. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Motion relative à la réforme de la CDPENAF, demande d'avis simple en lieu et place de l'avis conforme. Considérant la législation nationale qui donne comme prérogative à la CDPENAF d'émettre un avis simple sur le territoire hexagonal, considérant cette même législation nationale qui donne comme prérogative à la CDPENAF d'émettre un avis conforme dans les territoires d'outre-mer, en notamment à La Réunion, considérant l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'égalité devant la loi de tous les citoyens, considérant l'article 73 dans son intégralité de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle que les normes législatives et réglementaires de l'Hexagone s'appliquent de plein droit à La Réunion, considérant l'essoufflement de notre économie, la destruction des filières agricoles et la situation sociale explosive, vu le risque de disparition des petites structures agricoles, socle fondateur de notre développement, vu le contexte très fragile de notre économie, l'incertitude liée à la crise Covid et le risque de pénaliser des personnes déjà en situation de précarité, vu l'enjeu de souveraineté alimentaire qui a pris tout son sens lors du confinement de 2020, le Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest, TCO, constate qu'une nouvelle fois l'égalité réelle n'est pas appliquée à La Réunion, considère que cet avis conforme opposable aux maires va à l'encontre de leurs prérogatives et la possibilité d'administrer librement son territoire. Rappelle que l'agriculture est le premier métier de La Réunion, tant historiquement que géographiquement et économiquement. Rappelle que l'agriculture, c'est entre 20 000 et 30 000 actifs, emplois directs et indirects, ainsi que l'approvisionnement de nombreux secteurs comme la restauration. Rappelle l'urgence de nouveaux projets structurants pour notre agriculture locale. Demande à ce que l'avis de la CDPENAF soit un avis simple, au même titre que ceux émis en France métropolitaine. Okay. Merci pour cette lecture. Donc, je vous propose... est-ce qu'il y a des interventions ? Oui. Oui, juste vous signaler que les élus de la possession, nous allons nous abstenir. Alors la raison n'est pas que nous soyons contre cette motion, mais nous allons nous voter une motion avec quelques modifications pour être en cohérence avec ce qu'on va proposer nous à la ville de la possession. Alors c'était une motion un peu globale. Après, comment vous vous insérez sur la MDR en général ? On est inséré comment ? Parce que l'idée, alors on peut intégrer un certain nombre de motions pour que tous les élus de la Réunion se positionnent sur le même socle. Donc, pour qu'après on transmette au plus haut niveau national l'ensemble de ces éléments. Donc, si vous avez des modifications, peut-être il faut nous les faire remonter pour que quand on valide, alors je pense que chaque conseil municipal aura à se positionner, on se positionne sur la même motion. Tu comprends ? Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais là, en l'espèce, nous, on est sur un positionnement qui n'est pas exactement le même que celui qui est présenté ici. Donc moi je suis un peu gêné de valider là aujourd'hui par un vote. Parce que tous les maires ont signé la première motion, dont la maire de la possession. Et c'est pour ça qu'on la reprend, mais en la faisant valider par les instances de chaque collectivité. Donc comme elle a déjà signé une fois, pour nous ça ne posait pas de problème. Mais s'il y a une modification, que l'on puisse éventuellement récupérer les modifications, ça peut être... de bon sens, mais l'état d'esprit de la motion est, est,
a été partagé de façon globale pour qu'on ait plus de marge. Nous, l'état d'esprit, c'est de faire évoluer le modèle actuel, bien évidemment. Après, on a apporté quelques éléments et qui sont précisés dans notre motion qu'on va proposer au prochain conseil municipal. C'est, là, c'est pour une ça autre que, motion. Voilà, c'est une motion, on va dire, avec des précisions sur lesquelles on tenait à avec des précisions sur lesquelles on tenait à apporter. Et là-dessus, vous n'êtes pas de remarques, enfin, vous n'êtes pas foncièrement contre. Pas foncièrement contre, mais on a quand même des choses. On n'est pas, par exemple, sur on n'est pas sur une totalité de la vie. Bon. Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas voter cette motion, d'attendre vos propositions et de l'intégrer pour que ça soit une motion partagée. Je suis désolé, je voulais le préciser parce que sinon, après, il y a un problème de cohérence dans notre positionnement. Comme c'est la force de l'association des maires et l'ensemble des élus, c'est de proposer une motion commune, donc on va la retirer et on attend les propositions de la D'accord. position. D'accord, je remercie. Ok. Positionnement tout de suite. Proposition de motion relative au développement durable des Hauts de l'Ouest et en particulier de Mafate. Contexte. L'article 42 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi Élan, codifiée dans le Code de l'urbanisme, articles L121-3 et L121-8, ne prévoit pas la possibilité de retenir les îlettes de Mafate dans les documents d'urbanisme, remettant ainsi en cause les secteurs à constructibilité limitée des PLU des communes de Saint-Paul et de la Possession. Considérant que cette disposition aura pour conséquence d'interdire à compter du 1er janvier 2022 toute possibilité de construction nouvelle dans les îlettes de Mafate, considérant que cette mesure pénalisera fortement non seulement la population du cirque, soit 700 habitants, mais aussi les projets touristiques, 200 000 touristes sont accueillis chaque année, considérant que celle-ci ne tient pas compte des réalités géographiques et humaines du cirque de Mafate, reconnu par la loi ayant créé le parc national de la Réunion comme un cœur de parc habité, considérant que cette disposition remet en cause non seulement les PLU des communes concernées, mais aussi les politiques publiques de développement local, soutenues par l'ensemble des acteurs institutionnels, État, Parc national, ONF, collectivités locales réunionnaises, Union européenne, considérant le schéma directeur d'aménagement des îlettes de Mafate à l'initiative du TCO et en particulier la démarche partenariale engagée par le Parc national visant à élaborer des schémas expérimentaux concertés sur 4 îlettes, considérant les démarches entreprises par le TCO auprès de Monsieur le Préfet de la Réunion et de Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires, considérant la décision en date du 1er juillet 2021 du Président du TCO d'engager la procédure de modification simplifiée du SCOT, considérant la volonté des élus communautaires du TCO de soutenir le développement des Hauts de l'Ouest et en particulier de Mafate en tenant compte des finalités du développement durable, considérant la loi 3D en cours d'examen privilégiant l'adaptation et la différenciation des politiques publiques, les élus communautaires réunis à l'occasion du Conseil du 22 novembre 2021 demandent solennellement à Monsieur le Préfet d'intercéder auprès du gouvernement afin de prolonger de 3 ans la période transitoire d'entrée en vigueur de l'article 42 de la loi Élan, afin de permettre la mise en comptabilité de l'ensemble des documents d'urbanisme concernés et de concrétiser la démarche d'expérimentation soutenue par l'ensemble des partenaires institutionnels, de fixer un cadre légal permettant de délivrer des autorisations d'urbanisme sur les îlettes de Mafate reconnues à date dans les PLU, de préserver la possibilité de réaliser des projets touristiques en zonage NT0 des PLU nécessaires au développement touristique des Hauts de l'Ouest. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions ? Sachant que cette loi Littoral fait peser des incertitudes sur la constructibilité des cirques et aussi au niveau des Hauts, donc l'urgence de cette motion. Un courrier a déjà été transféré au ministère tutelle pour qu'on puisse avoir ce délai d'adaptation et adapter nos documents directeurs. S'il n'y a pas d'intervention, je vous propose de voter à main levée. Alors, vous avez des boîtiers, donc on verra les boîtiers tout à l'heure, mais on vous expliquera le fonctionnement, de voter à main levée cette motion. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, la motion est votée. Donc,
Merci pour cette première partie. Juste avant de commencer nos affaires, enfin, un peu long cet après-midi, quelques mots sur les dossiers d'actualité qui concernent le TCO, sur la question du transport scolaire. Donc, depuis la rentrée, nous avons un nouveau marché sur 6 ans. Sur 98% de ce marché, il n'y a pas de souci. Il y a 4 ou 5 lignes où, sur les 217 où on a vu des dysfonctionnements. Donc, le TCO a pris la décision de résilier deux lots de ce marché et de relancer des prestataires. Les nouveaux prestataires sont en service depuis ce matin. Et on n'a pas eu aujourd'hui de retour défavorable, mais on a mis les agents de la SEMTO, les contrôleurs sur place pour vérifier que tout se passe dans les bonnes conditions. On espère maintenant que la mise en œuvre de ce marché, qui est aussi normal, hein, 217 lignes, des nouveaux chauffeurs, de nouvelles habitudes, maintenant est un vieux souvenir pour nous, et que sur les 6 prochaines années, tout va se passer dans les bonnes conditions. Deuxième point. Oui. Je voulais juste vous remercier pour cette sage décision, puisqu'on a traversé une période quand même assez compliquée, notamment sur Saint-Leu. Donc il y a eu une dizaine de lignes qui n'ont pas été pour la plupart desservies depuis la rentrée scolaire. Et donc on repart avec un autre prestataire jusqu'à juin, je crois, juillet, jusqu'à la prochaine rentrée, le temps de relancer ces lots-là. Et ce prestataire qu'on a remplacé, il lui reste d'autres lots. Il faudra veiller à ce que ce soit respecté, ces lignes, parce que ça a été très compliqué. Oui. Voilà, merci en tout cas. Merci, ce qui me laisse le temps de remercier les services du TCO qui ont eu fort à faire et qui continuent à travailler sur ces dossiers, mais aussi le personnel de la SEMTO qui a été mis à contribution sur ces dossiers. Deuxième dossier, question de l'eau. Là, on est l'eau à Saint-Leu. C'est vrai que depuis le 1er janvier, le TCO est responsable de la gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire ouest. Sur Saint-Leu, on a vu depuis 2004-2005 des projets qui sont mis en œuvre mais qui n'ont pas été arrivés à leur terme, notamment la station de potabilisation de Maduran. On a vu, moi je le dis, différentes majorités se positionner et des maires aujourd'hui qui crient au loup et qui, au moment voulu, n'ont pas fait les travaux nécessaires. Et donc aujourd'hui, le TCO a réagi rapidement. Donc je remercie encore les services de la réaction, de pouvoir substituer la ressource venant du sud à l'eau du basculement, ce qui permet une ressource de meilleure qualité, et aussi des procédures de traitement de l'eau qui seront validées. Alors ces procédures aujourd'hui ou demain, donc on attend le communiqué de l'ARS sur la potabilisation de l'eau, puisque les constats faits en interne montrent qu'il n'y a plus de troubles, qu'il n'y a plus de problèmes de désagrément sur cette eau à Saint-Leu. Ce qui nous permettra, en attendant la livraison de la station de potabilisation en 2024, d'avoir une certaine quiétude, sérénité sur la ressource, sur les traitements et sur la distribution de l'eau. Nous nous sommes engagés à régler ce désagrément, donc un travail en train d'effectuer par rapport aux usagers. Donc voilà, pareil, nous héritons d'une situation. On a aujourd'hui la capacité d'intervenir et de proposer des solutions, qui fait qu'on est à même d'apporter les solutions et de régler à court terme des problèmes qui sont endémiques sur le territoire de la commune de Saint-Leu. Donc avec le maire, on a, et aussi Gilles Hubert, le vice-président délégué à l'eau, communiquer, travailler, valider des procédures pour qu'on sorte de cette situation rapidement. Et vu les délais, je pense que c'est un exploit d'avoir pu trouver toutes ces solutions en si peu de temps. Donc, je ne sais pas s'il y a des interventions là-dessus, Gilles et puis le maire. Merci, Président. Moi, je voulais saluer le travail en totale transparence et concertation entre le TCO et la ville de Saint-Leu et les autres partenaires, ce qui nous a permis effectivement d'apporter des réponses rapides, efficaces. Et aujourd'hui,
je peux le dire, hein, le dernier prélèvement qui a été fait le 17 novembre ne révèle aucune pollution d'aucune sorte au niveau des bactéries. Et nous avons, par mesure de sécurité, fait un dernier prélèvement ce week-end. Nous attendons les résultats. Mais voilà, beaucoup de communication très alarmiste sur le sujet. Et, mais bon, moi je dis toujours, il y a ceux qui causent beaucoup et puis il y a ceux qui font. Je veux faire partie de ceux qui font, qui apportent des solutions. Merci Gilles, merci Président. Donc c'est vrai, pareil, hein, on a traversé une période un peu délicate là, ces deux, trois dernières semaines, qualité de l'eau. Mais il me rappelle quand même que la ville a été mise en demeure depuis 2005 et donc au lendemain de l'élection de 2017, on décide de lancer l'appel d'offres donc pour retenir une entreprise. Malheureusement, en 2020, il y a eu cette période de Covid, donc on n'a pas pu commencer les travaux. Cette année, les premiers ordres de service, travaux de préparation ont été signés. Donc, il y aura, je crois, les travaux réels qui vont débuter d'ici décembre, voire janvier, en début d'année 2022, pour une durée d'à peu près 24 mois de livraison. Et ça va permettre de régler cette qualité de l'eau donc, sur la commune de Saleux. Mais on entend ici là qu'il y aura un appel à la manifestation d'un ancien élu ce mercredi sur le parvis de la mairie. Ben, j'attends de voir. Donc, puisque les boucs que tu es là avant, donc l'a pas fait. Et tu préfères faire des projets, tu mettre d'autres noms dessus. Mais ça, là, tu n'as pas mettre le nom. Station de potabilisation, tu n'as pas mettre le nom dessus. Station d'épuration, tu n'as pas mettre le nom dessus. Mais des projets comme ça, ils gagnent. Des projets comme médiathèque, certains projets, là, ils mettent d'autres noms dessus. Ils vont mettre peut-être plus tard. Mais il ne faudra pas attendre un mois accueillir ce bouc-là mercredi matin, les bras ouverts. Hein. Donc, Président, donc vous êtes informé de ça. Donc, j'attends de voir. Merci pour vos interventions. Juste aussi de préciser que l'alimentation en eau de cette station est aussi une alimentation de l'ensemble des communes du Sud. Donc il y a eu aussi des signalements sur ces communes du Sud. Et bizarrement, c'est que sur la commune de Saint-Leu où il y a eu tout ce tapage, sachant que aujourd'hui aucun lien n'a été fait entre le problème de l'eau et les cas qui ont été signalés au niveau de l'ARS. Et la réunion qu'on a avec l'ARS, l'ARS aujourd'hui nous dit qu'il n'y a aucune certitude donc là-dessus. Mais en même temps, on a pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour régler cette situation. Et on entend aussi que dans le Sud, ça pose des soucis, mais on n'a pas le même battage qu'il y a eu là-dessus. Voilà, donc ce qui avait à dire sur ces deux dossiers. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'ordre du jour. Nous avons 33 affaires qui vous sont proposées à décision. Donc, sur la première affaire, sur le développement, rapport sur le développement durable 2021 du TCO. Donc, par décret d'application 20-10-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2, l'État a rendu obligatoire la rédaction d'un rapport sur la situation en matière de développement durable sur toutes les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Ce rapport développement durable donne l'opportunité à la collectivité de présenter ses différentes politiques publiques au regard du développement durable. Il est également l'occasion de mettre en perspective les orientations stratégiques retenues pour les années à venir. Afin de répondre au cadre de référence défini par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, ce document présente les actions et démarches du TCO répondant aux cinq finalités suivantes. La lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère, la biodiversité, la protection des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, et enfin, les dynamiques de développement suivant les modes de production et de consommation responsables.
Donc, ce rapport du TCO comporte deux principales parties. Une première sur les orientations et les programmes mis en œuvre sur notre territoire et une deuxième sur la gestion du patrimoine et du fonctionnement et des activités internes au TCO. Donc, vous avez été destinataire de ces rapports. Juste sur la première partie, sur les orientations et les programmes mis en œuvre sur notre territoire, on tient ainsi, en ce qui concerne les politiques publiques, à renforcer l'attractivité du territoire afin de lutter contre le changement climatique et protéger de l'atmosphère. Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre a été réalisé en 2021. Et concernant la création d'emplois durables par l'activité économique, et ce, afin de répondre à l'épanouissement de tous les êtres humains, le TCO dispose d'un dispositif PLIE qui inclut également les actions d'insertion. Les actions menées concernent les zones d'activité économique, concernent aussi le développement durable, les actions qu'on a pu mettre sur le développement du vélo sur le territoire, et notamment la mise à disposition de vélos électriques, la réduction des déchets, la sensibilisation du public à des actions de politique publique, être plus près des usagers pour améliorer la durabilité du territoire. Il y a aussi le plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne qui permet l'épanouissement de tous. Donc aussi les actions sur la culture qui sont incluses dans ce rapport. Donc, ce rapport vous est mis à titre d'information et de débat. Est-ce qu'il y a des interventions sur nos interventions sur le développement durable? Oui. Madame Paula. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous parler de Monsieur Calizingué Hippolyte, un jeune de la Rivière des Galets qui, malgré la crise Covid, malgré les difficultés rencontrées par les sports de combat, en kickboxing, il y a fin octobre, il a été vice-champion de France à Paris face à un Parisien. J'insiste sur le fait parce que le sport, bien sûr, au-delà des objectifs de performance, il y a aussi des objectifs de cohésion sociale. Je me rends compte que le sport n'est pas une priorité au TCO. C'est dommage. Chaque commune, chaque ville a une communication ou a une gestion du sport qui lui est propre. C'est bien dommage. Pouvons-nous considérer le TCO comme un ensemble, c'est-à-dire raisonner de manière systémique? Je prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, nous avions les Jeux des Hauts. Et à Trois-Bassins, il y avait des infrastructures qui ont été construites pour accueillir ces Jeux des Hauts. Malheureusement, dès qu'à la fin de ces Jeux, nous avons eu un exemple flagrant, les jeunes de Chaloupe-Saint-Leu allaient s'entraîner au foot à Saint-Leuville, donc ils mettaient quasiment trois quarts d'heure, voire une heure pour s'entraîner, alors qu'à un quart d'heure, 20 minutes, ils étaient à Trois-Bassins sur un terrain de foot qui était sous-exploité. Voilà mon intervention, c'est à ce niveau-là. Parce qu'en page 13, vous parlez, bien sûr, accès à des pratiques sportives, loisirs adaptés à la population. Mais en face, on n'a que, je ne discrimine pas ou je n'attaque pas la culture, pas du tout. Des solutions au niveau de la culture. Juste pour vous dire, le sport, c'est à la portée de tous, et même des gamins qui sont en plus grande difficulté. Donc pourrions-nous, à un certain moment, penser à fonctionner ou à envisager le sport dans l'ensemble du TCO. Un marmaille de Saint-Leu, il ne sait pas Calizingué est vice-champion de France à la Rivière des Galets. Et c'est un exemple parce que c'est un quartier difficile, c'est un marmaille qui est certainement en grande difficulté et qui a réussi. Donc peut-être penser à un certain moment à une communication à ce niveau-là ou à des actions. Voilà, c'était le but de mon intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Paula. On connaît votre attachement au sport et je pense que vous avez dû lire ça attentivement. C'est vrai que vous avez présenté des exemples sur des communes du TCO, mais le souci, c'est que le sport n'a pas été retenu dans les statuts du TCO comme une compétence communautaire. Donc, on est resté sur l'aspect sport-loisir et encore là-dessus, ça est extrêmement limité.
Je dis ça en regardant Roxane Posé, qui est l'élue déléguée et qui aurait aimé autant que vous, en tant que volleyeuse, pouvoir mettre comme compétence. Non, depuis plusieurs années, le sport au TCO relève de la compétence des communes. Et sont aux communes de mettre en place la politique sportive sur leur territoire et non pas le TCO. C'est peut-être navrant, mais c'est le choix qui a été fait. Et c'est pour ça que chaque commune aujourd'hui intervient dans son domaine de compétences sans l'intervention du TCO sur sa politique sportive. Voilà ce qui peut vous être répondu là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? S'il n'y a pas d'autres interventions, donc il vous propose de prendre acte de ce rapport. Je propose de passer à l'affaire numéro 2 sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes 2020 au niveau du TCO. Donc pareil, sur au niveau réglementaire, l'article 61 de la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes prescrit aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants de présenter préalablement au débat sur les projets de budget un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de l'EPCI, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport comporte deux volets. Le premier, dédié aux ressources humaines et à la situation en matière d'égalité professionnelle au sein de notre administration. Et le deuxième point présente l'autre point relatif à l'intégration de l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques que porte le TCO. Bon, je pense que vous avez eu l'occasion de regarder les aspects démographiques, la décomposition. Ce qui est notable, et dont on en est fier, c'est qu'il ressort que plus de la moitié des emplois au TCO est occupée par des femmes titulaires de leur poste, qui sont par ailleurs bien représentées sur des fonctions de direction et de responsable de service. Donc, comparativement à d'autres collectivités où on a deux tiers d'hommes et un tiers de femmes. Donc, voilà, la promotion et l'égalité aujourd'hui et peut-être basculer de l'autre côté, mais tant mieux pour tout le monde, et notamment sur les postes de direction et de responsabilité. Sur l'autre point, donc là, nous avons une décomposition sur les politiques du TCO. C'est quand même assez éclectique là-dedans. Sur, par exemple, la partie développement économique, un cinquième des sollicitations et des occupants sur les zones économiques sont des femmes. En matière culturelle, les effectifs et les artistes sont majoritairement des hommes dans le public du TCO. Alors, en matière de transport, les usagers de transport scolaire sont à quasi-égalité. Sur le réseau CarWest, deux tiers des usagers sont des femmes. Et ainsi de suite sur l'ensemble des interventions du TCO dont vous avez pu prendre la teneur. Donc, est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport ? S'il n'y a pas d'intervention, donc il vous est demandé de prendre acte de ce rapport. Et je vous propose de passer à la troisième affaire sur la présentation des orientations budgétaires 2022 du TCO. Donc, conformément au texte en vigueur, un débat d'orientation budgétaire doit être organisé préalablement à l'adoption du budget primitif 2022 qui interviendra en décembre prochain. Cette démarche, bien qu'elle ne donne pas lieu à vote, permet de préparer ce budget. Elle est aussi l'occasion pour le TCO de poser les axes stratégiques et les priorités qui guideront son action durant cette mandature, dans un contexte marqué par des défis d'ampleur et aussi des incertitudes. Nous devons être plus que jamais mobilisés pour répondre au quotidien, aux besoins de la population, à ceux des usagers de nos services publics, ainsi qu'aux acteurs impliqués dans le développement économique, culturel, environnemental de notre territoire. D'autant que le contexte actuel, malgré les différents plans et mesures pris à divers niveaux, nous restons impactés par la pandémie du Covid. J'en veux pour preuve des exemples, bouleversement des conditions d'approvisionnement de la Réunion,
et notamment l'augmentation du coût du fret, qui a des conséquences directes sur le bon fonctionnement de notre économie, voire des collectivités locales, et deuxièmement, les incertitudes quant au niveau de la reprise économique qui pourrait impacter la situation de l'emploi et nos recettes fiscales. Cette situation nous conduit à être sur tous les fronts, travailler aux conditions de développement et d'attractivité de notre bassin de vie, tout en préservant la cohésion sociale de notre territoire. Nous devons ainsi rester attentifs à la situation sociale de nos concitoyens hébergés dans des conditions parfois indignes et confrontés à des problèmes d'accès au logement, tout en poursuivant nos efforts en faveur des Hauts, de Mafate et de nos centres-bourgs dans les Hauts. Notre soutien aux acteurs économiques et l'économie sociale et solidaire, à la culture notamment, doit aussi être amplifié. Nous avons aussi l'exigence de prévoir et de préparer l'avenir compte tenu des défis qui se posent à nous en tant que territoire insulaire et qui n'a pas achevé sa transition démographique, confronté à la redistribution du jeu économique à l'échelle mondiale, vulnérable au réchauffement climatique. Notre communauté d'agglomération est engagée dans la voie du développement durable, comme vous pourrez le noter au travers des rapports spécifiques établis. Nos engagements ont été accentués. Quelques exemples concrets, le succès rencontré sur le dispositif MobiWest, location de vélos électriques, montre l'évolution des mentalités et la pertinence de nos choix en matière de déplacement. Il en est de même dans le domaine énergétique et le lancement du service d'accompagnement à la rénovation énergétique avec la région au profit des familles de l'Ouest, l'implantation de déchetteries éphémères afin de favoriser l'apport volontaire et le tri des déchets. 20 ans après sa création, il nous faut nous inscrire dans une nouvelle dynamique de développement et apporter notre contribution à ce mouvement de fond qu'est la transition écologique. Les conditions sont à notre sens réunies pour que nous réalisions cet objectif. Dans le cadre de notre mandat, l'objectif sera dès 2022 de mettre en œuvre des outils et des dispositifs volontaristes pour concrétiser les projets et les chantiers prioritaires du TCO qui, 20 ans après sa création, s'engage dans une nouvelle dynamique de développement. Cette ambition se décline d'ores et déjà dans l'élaboration du projet de territoire Ouest 2040 qui associe étroitement les acteurs du territoire et la population. Il me paraît par conséquent important de délivrer aux habitants du TCO, aux acteurs économiques et socioculturels, un message clair quant à la tenue de nos engagements, de donner de la visibilité sur notre politique d'investissement, de montrer la capacité du TCO à assurer pleinement ses responsabilités élargies suite au transfert de compétences, qu'elles se traduisent par des actions de moyen long terme ou des interventions touchant au quotidien des familles, des usagers, des entreprises. Comme nous sommes engagés, il nous faut faire de ce mandat un mandat de réalisation. Nous devons nous donner en 2022, qui correspondra par ailleurs aux 20 ans du TCO, un signal fort, crédible et changer de braquet, d'autant que notre situation financière s'est améliorée et que nous mettons à niveau nos effectifs dans l'optique de cet objectif, en particulier dans le domaine compétences qui nous ont été transférées, notamment le domaine de l'eau et de l'assainissement, de l'économie et dans les priorités de notre mandat, notamment l'habitat, l'aménagement, la gestion des déchets. Les débats d'orientation budgétaire 2022 est l'occasion pour le TCO de poser les axes stratégiques et les priorités qui guideront son action durant cette mandature dans un contexte marqué par les défis d'ampleur et des incertitudes. Les priorités de la mandature se fondent sur 4 axes stratégiques. Réaliser une politique d'aménagement et de développement économique ambitieuse. Deuxièmement, offrir des services publics de qualité. Troisièmement, renforcer nos politiques de cohésion sociale et territoriale. Et enfin, préparer notre territoire aux défis des changements climatiques. Je cite ces 4 axes puisque dans la présentation qui vous êtes fait, chaque élu, vice-président, va intervenir pour présenter les différentes actions. Je demanderai simplement d'être synthétique et concis dans les présentations et aussi dans les échanges qui vont suivre. Pour terminer, je souhaiterais remercier les services pour leur travail sans relâche au quotidien
et dans la gestion et le règlement de situations difficiles que nous avons eu à gérer ces dernières semaines. Et bien sûr, vous les élus, votre implication dans les différentes commissions et lors des représentations, et les vice-présidents, chacun pleinement investi dans sa délégation. Je tiens à saluer particulièrement l'implication et la présence des maires de chaque commune. Aujourd'hui, le TCO est fort de cette cohésion entre les maires dans les actions menées sur le territoire, ce qui fait que nous sommes plus forts, nous sommes plus concrets dans nos interventions, dans nos réalisations. Et ça, il faut le saluer, c'est quelque chose qui permet de rendre le territoire plus dynamique et de préparer vraiment cette transition écologique, mais ce développement du territoire de la côte ouest. Donc, cette présentation étant faite, je passe la parole à Mireille Morel-Kohanitz pour la présentation du cadre général et financier qui va structurer nos orientations budgétaires. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous allons donc consacrer ce comité transversal élargi à la préparation des orientations budgétaires 2022 qui constitue la première étape d'un nouveau cycle budgétaire avant le vote du budget primitif au mois de décembre 2021. Ce débat des orientations budgétaires qui sera proposé lors du Conseil communautaire du 22 novembre doit permettre à chacun d'évaluer la situation financière du TCO et de discuter des choix stratégiques tant sur le plan financier qu'opérationnel. Le cadre général pour 2022 est le suivant. La crise sanitaire de 2020 perdure avec un impact sur l'évolution de nos recettes de fonctionnement. Pour rappel, le TCO perçoit dans son panier fiscal une partie de recettes assises sur la valeur ajoutée et l'activité économique des entreprises. Compte tenu des modalités de calcul et de reversement de ces recettes fiscales par l'État, l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique 2020 affectera la dynamique d'évolution des recettes de fonctionnement de 2022. Dans ce contexte contraint, notre mandature donnera la priorité à la réalisation des investissements. Aussi, l'objectif pour 2022 et les exercices suivants est de dégager un niveau d'épargne suffisant pour financer la nouvelle programmation des investissements, cible de 15 à 20% d'épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement. L'année 2022 sera également consacrée à la consolidation des champs de compétences de l'agglomération, notamment l'eau et l'assainissement. Enfin, le transfert des polices spéciales déchets et assainissement à l'agglomération s'accompagnera en 2022 de la mise en place d'un service pleinement opérationnel, tant pour le volet sensibilisation que le volet prévention et répression auprès des usagers. Une fois le cadre posé, nous allons à présent évoquer rapidement le cadre financier 2022 de nos 5 budgets. Pour le budget principal, la maîtrise des grands équilibres financiers s'articule autour de 2 axes clés. Le premier axe consiste à maintenir les niveaux d'épargne. Les actions portent aussi bien sur l'exécution des dépenses de fonctionnement que des recettes de fonctionnement. En matière d'exécution des dépenses, les actions sont les suivantes. Optimiser la masse salariale. Se fixer des objectifs de maîtrise de certains postes de dépenses tels que gestion du parc automobile, des frais de gardiennage, frais généraux et j'en passe. Négocier les marchés à procédures adaptées pour garantir la bonne gestion des deniers publics. Initier une démarche de plan pluriannuel de fonctionnement. Et enfin, analyser les coûts des prestations confiées aux satellites. Pour optimiser les recettes de fonctionnement, les actions sont les suivantes. Poursuivre les activités de l'Observatoire fiscal, collaboration mise en place avec les services de la Direction régionale des finances publiques pour restituer le travail de terrain, mutualisation avec les communes membres. Mais également veiller à une tarification des services publics à l'usager en adéquation avec le service rendu, redevance spéciale. Le deuxième axe clé consiste à maintenir une capacité d'investissement cohérente avec les marges de manœuvre. L'objectif sera d'amorcer dès 2022 une rupture sur le niveau de réalisation constaté en section d'investissement depuis quelques années. Le TCO veillera donc à solliciter le maximum de financement externe, notamment sur le plan REAC-UE, FEDER et FSE, le POE 2021-2027, en plus des aides de l'État, tels que le plan de relance de l'État, fonds exceptionnels d'investissement, dotation de soutien à l'investissement public local.
Pour les prochains exercices, l'enjeu sera de maîtriser l'endettement avec une stratégie budgétaire et financière adaptée à la réalisation du programme d'investissement de l'actuelle mandature. La construction budgétaire 2022 de la Régie des ports de plaisance prend comme hypothèse une stabilité de la subvention d'équilibre du budget principal à 500 000 euros, des charges de fonctionnement évaluées à 2 600 000 euros, des dépenses d'investissement maintenues à 300 000 euros, des travaux de régularisation de titres liés à des factures impayées devraient permettre au TCO de réduire, voire supprimer sa subvention d'équilibre dans les années futures. La construction budgétaire 2022 de la GEMAPI prend comme hypothèse une stabilité du produit de la taxe GEMAPI à hauteur de 3,2 millions, soit 14,6 euros par habitant. Des charges de fonctionnement évaluées à 1,2 million, des dépenses réelles d'investissement de l'ordre de 8,5 millions, soit plus 20% par rapport au budget primitif 2021. Enfin, la construction budgétaire 2022 du budget eau prend comme hypothèse des charges de fonctionnement évaluées à 1,1 million, des dépenses réelles d'investissement de l'ordre de 12,2 millions, soit une reconduction de l'enveloppe inscrite au budget primitif 2021. La construction budgétaire 2022 du budget assainissement prend comme hypothèse des charges de fonctionnement évaluées à 500 000 euros, des dépenses réelles d'investissement de l'ordre de 1,3 million, soit une quasi-reconduction de l'enveloppe inscrite au budget primitif 2021. En dernier lieu, pour ces deux budgets, il convient de noter que le prix payé par l'usager est stable. Voilà, Monsieur le Président, le cadrage financier de nos orientations budgétaires 2022. Je vous remercie, chers collègues, pour votre attention. Merci beaucoup. Donc ce cadrage, bon, c'est un peu un exercice imposé pour poser les bases. Donc nous allons passer sur les différents axes. Le premier axe est la réalisation, réaliser une politique d'aménagement et de développement économique ambitieuse. Donc je vais passer la parole successivement à Bruno Domaine et à Olivier Ouarot. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Concernant l'aménagement du territoire, il s'inscrit pour l'essentiel dans les réalisations de l'axe 1 des orientations budgétaires concourant à réaliser une politique d'aménagement et de développement économique ambitieuse. Deux priorités sont identifiées dans le cadre de la mandature et nous attacherons à refonder le projet d'aménagement stratégique du TCO et passer à l'opérationnalité, réaliser les projets structurants du territoire. En 2022, l'achèvement de la modification simplifiée permettra aux plans locaux d'urbanisme de préserver une vitalité résidentielle adaptée au contexte des hauts et des îlettes de Mafate. Fort de l'évaluation du SCOT et de l'opportune intégration du projet de territoire, le TCO engagera avant le 31-12-2022 une révision générale du SCOT, intégrant notamment les axes de modernisation du document prévus par la loi Élan et les objectifs de la loi Climat et Résilience. Avec la création de la ZAC Cambé-Oméga, le TCO va exercer sa compétence de maître d'ouvrage en aménagement opérationnel. Cette compétence opérationnelle sera mobilisée dans le cadre de l'accompagnement à la mise en œuvre du plan guide de la zone d'aménagement liée à la mer du littoral de Trois-Bassins. L'étude du pôle funéraire intercommunal sera aussi engagée. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Sur la partie économie et tourisme, la parole à Olivier Ouarot. Merci, Monsieur le Président. Sur la partie économie, d'abord, retenir les 6 ambitions prioritaires qui concernent le développement économique. D'abord, c'est la nécessité d'élaborer la stratégie territoriale de développement économique. Ensuite, de relancer l'offre de foncier économique, puisque c'est une priorité majeure des acteurs économiques sur notre territoire. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, quand je parlais de stratégie territoriale, on intègre donc l'offre de foncier économique. Troisièmement, il faudra faciliter l'installation des entreprises à travers la définition et l'optimisation de la mise en l'optimisation du fonctionnement des zones d'activité économique. Et quatrièmement, améliorer l'accueil et l'accompagnement des entreprises et des porteurs de projets. Nous devrons aussi veiller à dynamiser et valoriser l'animation économique dans les zones d'activité. Et bien sûr, créer un observatoire des entreprises et de l'emploi
pour le territoire. Donc, retenons comme priorité le foncier économique, l'observatoire, mais aussi, comme l'a rappelé mon collègue maire de Saint-Leu, la nécessité de lier développement économique et aménagement à travers notamment l'opération de revitalisation de territoire qui concerne le port et trois bassins dans un premier temps, mais projet auquel sont associées les communes, les autres communes du TCO. En matière touristique, rapidement, nous allons nous engager dans une nouvelle dynamique de développement touristique du territoire, soutenir la promotion touristique, bien sûr, développer l'information, l'aménagement et la nécessité de gérer les équipements et sites à vocation touristique, et enfin faire des ports de plaisance des lieux d'attractivité touristique et économique. Pour cela, nous allons nous appuyer sur l'action de l'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest. Je ne vais pas aller plus loin puisque l'ensemble des informations a été donné dans les documents qui vous ont été transmis. Merci. Merci beaucoup. Donc, je voudrais juste rajouter un dernier point sur notre politique de coopération décentralisée. Durant l'année écoulée, le TCO a été sollicité pour des actions de coopération, d'abord avec soutien apporté à Madagascar et à l'Inde, dans le cadre d'un soutien financier humanitaire. Et nous avons aussi reçu la consule malgache qui nous a fait part de son intérêt aux ingénieries de la collectivité dans le domaine de l'environnement et notamment de l'eau. Donc en cohérence avec ses compétences et l'intervention des principaux partenaires, État, région, département, le TCO souhaite structurer et développer une politique de coopération décentralisée au service du rapprochement des populations et du co-développement. S'appuyant sur les atouts et les acteurs du territoire, l'objectif sera de soutenir des actions concrètes favorisant la valorisation de l'ingénierie du TCO ou de l'offre d'expertise territoriale en appui des projets de coopération dans les secteurs de l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets, l'économie bleue, l'aménagement de la construction durable. La mobilité aussi des jeunes et de jeunes doivent être intégrés dans le cadre de volontariat. Volontariat de solidarité internationale, service civique international et projets solidaires, mais aussi l'organisation d'échanges culturels autour de spectacles vivants, de la lecture publique en lien avec des structures et des associations reconnues, notamment avec nos réseaux Becali et les médiathèques. Et en matière de solidarité régionale, le TCO évoluera la possibilité de contribuer à un projet de coopération décentralisée dans le sud malgache. Une réflexion pourrait être engagée en lien avec les acteurs compétents sur la question de la connectivité maritime. Enfin, un plan d'action cohérent et réalisable, adossé à des cofinancements mobilisables, l'État, l'AFD, l'Agence française de développement, les fonds européens, notamment Interreg, sera élaboré et présenté aux élus communautaires. Donc sur cette première partie, les débats sont ouverts. Est-ce qu'il y a des interventions ? S'il n'y a pas d'intervention, je propose de passer à l'axe 2, offrir des services publics de qualité. Donc, je vais passer la parole successivement à Philippe Lucas pour la partie environnement, Laetitia Le Breton pour l'errance animale, Mélissa Cousin pour les projets de transport collectif, Hirsha Domargy pour les missions confiées à la SEMTO et Gilbert pour l'eau et l'assainissement. La parole à Philippe Lucas. Merci, Président. Donc depuis les années 2010, le contexte réglementaire de la gestion des déchets ménagers s'est renforcé pour intégrer la réduction des déchets comme élément prioritaire dans la hiérarchie des modes de gestion. Les lois de transition écologique de 2015 et anti-gaspillage économie circulaire de 2020 imposent aux collectivités de diminuer leur production de déchets, de valoriser au maximum les matières et les premières échéances sont pour 2024. Les actuels marchés de collecte du TCO prendront fin au 31 décembre 2023. C'est en 2022 que le TCO devra réaliser ses choix pour les 10 prochaines années en tenant compte des évolutions réglementaires, des outils de traitement mis en place par ILEVA d'ici 2024, de la maîtrise de ses dépenses tout en maintenant un service de qualité pour ses usagers conformément aux résultats de l'enquête de satisfaction réalisée en 2021. C'est en ce sens que la déclinaison d'être un territoire de qualité et performant au service de sa population se traduit notamment en priorité par développer une gestion de proximité durable et responsable des déchets. Ces objectifs se concrétiseront en 2022 au travers de quatre grandes actions qui sont
1. Faire de l'usager un acteur du changement en réduisant les déchets et en développant l'apport volontaire avec la mise en place de déchetteries éphémères, d'ateliers de compostage et diagnostic gaspillage alimentaire, d'actions de médiation pour améliorer le tri des recyclables, d'outils de suivi de la collecte sélective, d'une stratégie de densification des bornes d'apport volontaire avec le soutien financier de Citeo. Deuxième axe, assurer un service de collecte efficace et soutenable avec notamment la définition d'une stratégie déchets pour les 10 prochaines années, l'amélioration du suivi des prestations et des réclamations, la poursuite du déploiement de la redevance spéciale, le renouvellement de la convention avec l'ENF et le parc national relatif aux déchets de Mafate. Troisième axe, participer au maintien de la salubrité publique en luttant contre la dengue et les dépôts sauvages par des actions de médiation, des interventions partenariales, des actions de réception de dépôts sauvages et de ramassage d'épaves de véhicules et de corbeilles urbaines. Et dernier axe, déployer une brigade intercommunale afin de mettre en œuvre le pouvoir de police spéciale déchets, ce qui permettra de mettre en place des actions de sensibilisation et de verbalisation pour les écarts au règlement de collecte des déchets. Merci beaucoup. La parole, intervention à Henri Polite. Non, on m'a trompé, moi, là. Non, excusez-moi. Là, c'est Laetitia Le Breton sur l'errance animale. Merci de me donner la parole. Ça t'a au le cul. À photo. L'errance animale reste malheureusement un fléau qui touche notre territoire. Un travail est mené avec l'État, les autres PCI, les vétérinaires et le monde associatif pour tenter d'enrayer l'errance animale à La Réunion. Le travail mené par le TCO avec les associations, via des appels à projets notamment, est mené pour améliorer des prises de conscience de la population. La déclinaison d'être un territoire de qualité performant au service de sa population se traduit notamment en priorité par lutter contre l'errance animale. Cette lutte se déclinera en 2022 au travers de quatre grandes actions qui sont la première, responsabiliser les usagers et changer les comportements en poursuivant les actions de sensibilisation en porte-à-porte, l'organisation de stands événementiels, la diffusion de flyers et les actions de médiation-verbalisation avec les polices municipales et la fourrière, en soutenant les actions des associations de protection animale. En second lieu, favoriser et poursuivre la stérilisation des animaux domestiques et ouvrir le dispositif à une frange de foyers imposables avec l'appui financier de l'État et en concertation avec les autres intercommunalités et les vétérinaires. Un troisième point, et qui nous tient à cœur, c'est un projet de la mandature, construire un centre animalier dont le concours de maîtrise d'œuvre sera lancé et attribué en 2022, suivi du démarrage des études de conception. Et enfin, optimiser les captures d'animaux domestiques en facilitant les contacts avec la fourrière via un numéro d'astreinte pour les services d'urgence, en testant les captures à horaires différenciés et les interventions renforcées sur secteur à enjeu. Je vous remercie. Merci. Donc la parole à Mélissa Cousin sur la partie projet de transport collectif. Merci. Donc, concernant les déplacements, ces orientations sont tout à fait conformes à la feuille de route mobilité qu'on avait définie en début de mandature et dont le principal objectif est d'accompagner la mutation vers le territoire durable prôné par le projet d'agglomération. Cela passe par un programme d'investissement permettant de consolider une armature territoriale nécessaire à une mobilité durable par la réalisation d'infrastructures clés et l'amélioration d'équipements de transport en commun tels que la ligne de bus à haut niveau de service dont l'étude de programmation aboutira en 2022. Ensuite, il s'agira pour le TCO de dérouler concertation publique, renouvellement de la DSP, pour intégrer la ligne structurante, lancement des maîtrises d'ouvrage, etc. Pour une mise en service souhaitée avant mi-2026 au plus tard. Nous continuerons également le travail pour des itinéraires privilégiés, ceci afin de sortir nos bus au maximum des embouteillages, avec un investissement de 30 à 40 millions d'euros à l'horizon 2025. Le programme de réalisation de couloirs bus reprend donc en 2022 avec le lancement des marchés de maîtrise d'œuvre sur les sections avenue Rico Carpaille, avenue du 20 décembre, avenue Raymond Vergès, la RN1E entre l'avenue de la Palestine et le lycée Moulin-Joly. Le transport public par câble aussi. En 2022, nous poursuivrons des études
pour la mise en place d'une ou plusieurs lignes de transport par câble. Le pôle d'échange au port, le calendrier prévisionnel d'achèvement des travaux vise le mois de mai 2022 pour une mise en service en juin 2022. Et le travail se poursuivra également sur des arrêts de bus, hein, s'agissant de, voilà, d'offrir un service de qualité à la population. L'objectif est de densifier le nombre d'abris bus afin d'offrir une protection contre la pluie et le soleil et ainsi offrir davantage de confort aux usagers du réseau. De plus, un programme de pose d'assises en bois sur les bancs et abris bus existants sera réalisé en 2022 afin d'offrir aussi un meilleur confort thermique aux usagers. Au-delà de la concrétisation des grands projets structurants pour l'avenir du territoire et des habitants, l'amélioration du service rendu à l'usager passe également par le renforcement de l'offre de transport Car Ouest, avec notamment la préparation de la délégation de service public Car Ouest. Donc le TCO préparera dès 2022 le renouvellement de la DSP qui arrivera à échéance en septembre 2024. Voilà. Merci. Concernant les missions confiées à SEMTO, la parole à Hirsha Domargé. Merci Monsieur le Président. Donc le TCO poursuivra en 2022 ses actions de renforcement de l'attractivité et de l'amélioration de la performance de son offre de transport, passant par une progression synchronisée des lignes structurantes et secondaires avec l'objectif d'aboutir à une offre substantiellement renforcée, plus de 30% en 2025. Cet objectif se déclinera en 2022 au travers de 5 grandes actions. Renforcer donc le service MobiWest suite au succès constaté. En 2022, le parc locatif sera renforcé avec 300 nouveaux vélos assistance électrique urbains et 115 VTT. Renforcer également les moyens affectés au service CarWest Move de manière à répondre à la demande des usagers avec notamment le renouvellement de 4 véhicules. Définir une stratégie de renfort du réseau CarWest, notamment dans les hauts et les mi-pentes, tant pour répondre aux besoins actuels que pour accompagner les futures infrastructures. Poursuivre la modernisation du réseau CarWest avec notamment une nouvelle application MaaS, Mobility as a Service, qui sera proposée aux usagers, destinée à réunir sur une même application l'ensemble des informations et services CarWest ainsi de l'information en temps réel. Par ailleurs, la SEMTO, en tant que partenaire privilégié du TCO, apportera sa contribution sur les différents projets du TCO. Merci. Merci. Sur la partie eau assainissement, la parole à Gilles Hubert. Merci. Donc, depuis le 1er janvier 2020, le TCO a repris la compétence donc, de la gestion de l'eau et de l'assainissement et a ainsi pris la pleine mesure des enjeux de son territoire. L'année 2021 a été une année de reprise des contrats en cours et de définition des actes de développement de ses compétences. L'année 2022 verra la finalisation de l'organisation administrative et technique qui permettra au TCO de déployer sa stratégie à long terme qui vise les objectifs suivants. Tendre vers un prix unique de l'eau sur l'ensemble du territoire à échéance 10 ans. Un taux de rendement des réseaux à 75% et un renouvellement des réseaux à 0,6%. Un nouveau contrat TCO département de rachat d'eau brute harmonisé à l'ensemble du territoire, ce qui nous permettra de dégager des marges de manœuvre pour répondre justement à la problématique de l'eau dans les hauts, notamment pour nos agriculteurs. Le développement enfin des infrastructures nécessaires à un territoire d'excellence et d'attractivité, promouvant une qualité et une performance de service à sa population. Pour permettre l'atteinte de ces objectifs à long terme, les actions proposées s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de l'axe 2, qui vise la promotion d'un territoire de qualité et performant au service de la population, décliné selon deux principes: offrir à la population une eau de qualité et limiter les impacts sur les milieux. En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les inondations, le TCO a stabilisé son organisation et s'attache désormais à rester un acteur incontournable, proactif et exemplaire à certains égards. En effet, outre les investissements importants en matière de gestion des inondations, la
régularisation administrative des ouvrages d'endiguement de classe B engagés en 2021 a été entrepris. Les actions portées par le service GEMAPI s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 4 qui vise à préparer le territoire au défi du changement climatique. Cet axe se décline autour de deux principes : protéger la population exposée aux risques naturels, en poursuivant les aménagements pour la protection des populations face aux risques d'inondations et de submersions rares, en mettant en œuvre les PAPI, plans d'action de prévention des inondations, et PAPAL, plans d'action et de prévention des aléas littoraux, en confortant les endiguements aval de la rivière des Galets et en poursuivant enfin des travaux d'aménagement et de protection contre les crues des secteurs Hermitage et Salines-des-Bains. Nous définirons aussi la stratégie de gestion du trait de côte. Il s'agira aussi de valoriser la richesse de la biodiversité de notre territoire en mettant en place la stratégie de gestion des milieux aquatiques et en poursuivant les actions de préservation, de protection et de suivi de la qualité des milieux aquatiques du territoire, en réalisant des travaux d'entretien des milieux aquatiques sur l'étang Saint-Paul, la ravine Saint-Gilles par exemple, et en réalisant des actions de suivi de la qualité des milieux aquatiques sur l'ensemble de notre territoire. Merci. Donc maintenant, les éléments de l'axe étant présentés, est-ce qu'il y a des interventions ? Oui. Merci de me donner la parole. Donc je profite de cette présentation des orientations budgétaires pour voir déjà d'un premier temps par rapport à la collecte des déchets. Pardon. Je ne sais pas s'il serait possible dans le futur, dans le cadre de ce mandat, de réfléchir à des pistes de responsabilisation des usagers, notamment en termes de tri des déchets, de volume des déchets utilisés, sachant qu'il y a quand même une injustice. Certains ne bénéficient que d'un ramassage par semaine, font de gros efforts, et de l'autre côté, on constate aussi qu'il y a beaucoup de manques civiques. Et bon, je demande juste s'il y a une réflexion en ce sens, puisque j'ai cru comprendre que ça se faisait dans certaines communes déjà. Donc j'imagine qu'au fur et à mesure, vous engagerez dans ce genre de démarche. Je remets mon masque, j'en profite. S'agissant de l'errance animale, une problématique qui touche, auquel beaucoup de gens sont sensibles, j'ai pu constater moi-même les moyens dérisoires à disposition des agents du TCO pour capturer ces animaux. On voit des meutes de chiens un petit peu partout, ici même devant le TCO parfois. Alors je sais que c'est compliqué, il y a des problématiques qui font qu'on ne peut pas utiliser des méthodes qui étaient utilisées dans le passé parce qu'il y a des risques d'accident avec les chiens qui divagueraient, pour l'exemple des seringues hypodermiques. Mais dans tous les cas, la réalité est là. On a beaucoup de chiens, énormément, partout, et on paye donc pour cette gestion de l'errance animale. Et je sais que ce n'est pas simple, mais... en tant qu'élu, je donne mon avis là-dessus. Je dis qu'il faudrait peut-être des méthodes plus fortes, plus radicales. Ce n'est pas politiquement correct, mais à un moment donné, on va tourner en rond. On a l'impression que plus on met de l'argent sur l'errance animale et plus il y a des animaux dehors dans la rue. Donc, il y en a qui sont bien gentils d'un côté, qui se plaignent, et de l'autre, donnent à manger à des meutes de chiens. Donc, ce n'est pas simple non plus de composer avec tout ça. Mais j'espère que dans l'avenir, on aura un service qui sera plus performant et qui se traduira par moins de chiens sur le bord de nos routes. Ensuite, pour ce qui concerne les déplacements, je suis déjà intervenu une fois, comme on a aussi une compétence touristique au TCO. Pour ce qui concerne un arrêt de bus au Cap Laoussé, vous avez parlé de la multiplication des bus, de la desserte. C'est un projet, quand j'ai contacté les services du TCO, ils m'ont dit que ça date de 2019. Il manque juste une autorisation de la région. Donc on peut espérer que dans le cadre de ce mandat, d'ici 2026, on aura peut-être un arrêt de bus au Cap Laoussé et qui rendra énormément de services à tous les jeunes qui fréquentent ce lieu, à tous les promeneurs, tous les touristes. Donc je réitère cette demande, je profite donc des OB pour le faire. J'ai pas entendu parler dans le cadre des transports scolaires aussi des problématiques de circulation transversale sur les hauteurs du territoire de la côte ouest, où notamment sur Saint-Paul, il y a pas mal de gens qui se plaignent, et aussi des horaires qui pourraient être améliorés. Et j'en profite aussi pour dire, puisque ça a été le cas, il y a deux conseils municipaux de ça à Saint-Paul,
les problématiques de klaxon des bus intempestifs à certains moments de la journée. Beaucoup de gens se plaignent. Alors, il y a des problèmes d'aménagement routier. Et j'ai fait pour ma part, en tant que conseiller départemental, remonter à certains services pour des points particuliers. Mais je pense que ça fait partie de la problématique globale. Forcément, j'aborde aussi le conflit qu'il y a eu récemment pour les transports scolaires. Et puisqu'on est sur une thématique d'un service public de qualité, donc là, en l'occurrence, ben, les Saint-Pauloirs, enfin les habitants du TCO, excusez-moi, Saint-Leu aussi beaucoup, se sont plaints pendant des semaines, voire de très longues semaines, sur l'absence de bus, etc. Donc, je trouve quand même bizarre qu'on n'ait pas abordé tous ces problèmes qui ont concerné beaucoup de gens ici dans la salle et qui, j'imagine, n'auront pas à survenir dans le cadre des orientations futures de cette collectivité, de cette EPCI. Qu'est-ce que j'avais à dire aussi pour finir l'eau? Alors, pareil, hein, pour l'eau, on a eu un beau déroulé de l'avenir de l'eau sur le TCO, mais on a eu aussi de gros mouvements sociaux dernièrement qui sont peut-être pas totalement résolus. Et je trouvais que il aurait été bon quand même de donner des éléments rassurants pour l'avenir de cette régie et son fonctionnement au service de l'ensemble des habitants du territoire de la côte ouest. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, sur les deux derniers points que vous avez évoqués, si vous étiez arrivé à l'heure, vous auriez eu la chance d'avoir l'intervention du maire de Saint-Leu et des élus concernant ces deux affaires importantes et dont on n'a absolument pas négligé tel qu'il a pu ressortir de votre intervention. Donc, ceci étant dit, Philippe, juste sur la partie déchets et errance animale. Alors, sur la partie déchets, depuis des années, hein, nous menons des actions de sensibilisation. On n'arrête pas, on continuera dans l'avenir de mener des actions de sensibilisation. Tous les ans, nous lançons un appel à projet au niveau des scolaires avec un projet qui s'appelle l'écolo. Il y a plus de 70 000 marmailles qui sont sensibilisées sur la réduction, sur le tri des déchets. Aujourd'hui, nous apportons aussi des solutions au niveau de la collecte, au niveau des points d'apport volontaire. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons inauguré une déchetterie éphémère sur la possession. Il y en aura d'autres sur Saint-Paul. Nous avons 12 déchetteries fixes. On a aussi une déchetterie éphémère sur le Plate Saint-Leu. Donc c'est un samedi par mois. Donc sur des quartiers qui sont loin, en tout cas, des déchetteries fixes. Concernant le tri des déchets, nous mènerons aussi une action pour l'amélioration du tri. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les tonnages collectés, on est à peu près à 65% de taux de valorisation, ce qui est effectivement un peu bas. Donc, en tout cas, nous mènerons des actions pour augmenter ce taux de valorisation. Après, l'autre question, c'était ? Après, les questions concernent sur l'errance animale. Ah, sur l'errance animale, donc c'est là ma collègue. Aussi, bon, je pense qu'on était, après, on est intervenu là-dessus. Oui, déjà. Et après, ce que je, pour terminer... nous menons des actions, il y a un service que nous rendons à la population, mais vous savez, on est quand même un territoire quand même assez bien desservi, que ce soit en point d'apport volontaire ou en collecte en porte-à-porte. Si la population n'adhère pas, s'il y a quelques marcottes qui n'adhèrent pas, on ne peut pas dire que nous, on ne fait pas... On ne peut pas dire qu'en tout cas le TCO ne fait pas ce qu'il faut, en tout cas pour apporter une réponse donc, à l'usager. Et en 2022, donc, il y aura aussi le déploiement de la brigade intercommunale, donc justement pour essayer de lutter contre ces personnes un peu cocodures, comme moi je dirais, contre ces macottes qui sont quand même une minorité. Et je tiens aussi à préciser que suite à l'enquête que nous avons menée, en tout cas cette année, il y a quand même 95% de la population qui sont quand même satisfaits de ce que le TCO apporte, en tout cas, en matière de collecte de déchets. Merci. Alors, Laetitia, une action radicale pour éradiquer les animaux errants. S'il existait une solution radicale, monsieur Nativel, croyez-moi bien, je la prendrais de suite et j'appliquerais tout ce qu'on pourrait immédiatement. On est sur un territoire où, effectivement, l'errance animale est un fléau, au point qu'on a des mesures dérogatoires qui sont propres à notre île.
Malheureusement, on met vraiment tout ce qu'on peut en œuvre au niveau du TCO. Ne dites pas qu'on ne fait rien ou pas assez. Je vous assure que les agents font du mieux qu'ils peuvent. On organise des actions conjointes avec les brigades municipales. On fait de la médiation. On intervient à tous les niveaux, dans les écoles, les collèges, devant les grandes surfaces. On fait de la sensibilisation au public et on travaille sur des projets de plus grande envergure avec le centre animalier. J'ai rencontré toutes les associations qui ont bien voulu se présenter au TCO, toutes. Il n'y en a aucune qui a été laissée de côté. Je les ai toutes rencontrées depuis le début de l'année et on a écouté toutes leurs propositions. Mais il n'y a pas de solution unique. Donc on y travaille. On fait vraiment au mieux, croyez-moi. Merci. Moi, je tiens à saluer le travail qui a été mené parce qu'on part de très, très loin. Et là, on a un projet qui se profile à l'horizon de centre animalier qui prendra en compte toutes ces problématiques. Et c'est vrai aussi, l'usager a une responsabilité. Et laisser son animal divaguer dans le quartier ou par ailleurs avec les dégâts que ça cause, ça peut aussi lui être préjudiciable parce que en cas de problème, chacun doit être responsable de son animal. Et ça, on l'a vu par ailleurs. Et quand ça arrive, parfois, c'est trop tard. Et ça entraîne des conséquences pénales pour ces personnes-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Oui. Alors d'abord, Mélissa. Alors, juste pour rassurer M. Nativel sur sa demande d'arrêt de bus, donc je voulais juste lui dire qu'on a une liste énorme de demandes d'arrêt de bus. Elles sont toutes traitées, donc l'arrêt de bus Cap-Laoucé également, et il y aura une réponse apportée à chaque demande. Et pour les klaxons, Mme Paula avait posé la question également. Donc nous, en début de mandature, on a fait un courrier de rappel du bon usage des klaxons aux transporteurs. Donc on souhaite effectivement qu'ils suivent cette demande et qu'ils soient sensibles à cette tentative de sensibilisation. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas être derrière chaque conducteur de bus à chaque instant pour voir comment il utilise son klaxon, quoi. Voilà. Mais en tout cas, peut-être on a de cesse de les sensibiliser à la nuisance sonore que ça représente, effectivement, surtout très peut-être tôt le matin. Les nouveaux prestataires, et là je regarde monsieur le directeur général des services, avec les nouveaux prestataires, de faire un courrier spécifique et que chaque chauffeur puisse être destinataire de cette demande sur le territoire. Après, il en va quand même aussi de la sécurité parce que notre territoire est ainsi fait, que ce soit les routes communales, départementales. Donc ça pose vraiment parfois des problèmes, mais on l'a vu, il y a vraiment un abus, à mon avis, de ce signal sonore. Oui, Non, mais malgré tout, il faut avoir été chauffeur routier pour comprendre l'usage du klaxon, souvent pour les poids lourds et les engins qui sont quand même grands sur des axes qui sont très petits. Et souvent, c'est pour signaler sa présence un petit peu en amont pour qu'il n'y ait pas de problème. Hein. C'est un problème de sécurité. Et souvent, on a l'impression, quand on n'est pas au courant, que c'est un usage intempestif, mais non. Hein. Et donc, le bus, souvent, il répète l'alerte un petit peu à chaque virage. Et donc, ça fait... Oui, bon, ça donne l'impression d'abus. Mais je peux vous garantir. Il faut sensibiliser. Donc là, voilà. On va resensibiliser les chauffeurs. Après. Et il y a la question de sécurité. Ça, alors, je regardais une émission dernièrement sur. Alors, c'est tout autre chose. C'est sur les. Les sirènes. Sur les sirènes aux États-Unis. Et ils ont mis des sirènes modulables en termes de force. Plus sur des vibrations. Et c'est peut-être une piste, hein, parce que je vous dis, l'alerte est parfois est indispensable. Ok, merci. Bon, notre ordre du jour étant chargé. Oui, M. Nativel. Oui, merci pour toutes ces réponses. Juste, peut-être j'avais oublié de mentionner, il y avait peut-être une piste aussi avec des miroirs dans certains virages. Alors, je ne sais pas si c'est de la compétence de la commune ou du département, mais c'est peut-être... En fonction des routes, c'est commune ou département. Oui. Et ensuite, juste pour revenir sur la collecte des déchets, je voulais juste préciser que et il ne s'agit pas tant de vouloir sanctionner ceux qui ont des mauvais comportements, mais peut-être réfléchir à une façon d'inciter les gens à avoir des bons comportements, à les valoriser. Il y a des gens qui prennent beaucoup de temps à trier leurs déchets et qui se retrouvent à la même enseigne que ceux qui, en termes de prix, par exemple, même une petite prime dérisoire ou une façon de valoriser. Enfin, je ne sais pas, c'est des pistes que je soumets. Et je m'excuse pour mon retard. J'étais aussi en commission orientation budgétaire au département en même temps. Merci.
Ah oui, oui, occupé. Non, sur l'opération FOMIS qu'on a mis en place sur les prompts et sur la position, c'est totalement ça, dans l'état d'esprit. S'il n'y a plus d'intervention, je vous propose de passer à l'axe 3, de renforcer nos politiques de cohésion sociale et territoriale. La parole à Jasmine Béton sur la partie aménagement logement pour l'habitat. Merci, Monsieur le Président. Concernant l'habitat, il s'inscrit pour l'essentiel dans les réalisations de l'axe 3 des orientations budgétaires concourant à co-construire un territoire solidaire proche de ses communes et de ses habitants. Une priorité est identifiée pour l'habitat dans le cadre de la mandature et nous nous attacherons à mettre en œuvre les actions et les outils pour la réalisation du programme local pour l'habitat. La relance de la production passera par la mise en œuvre opérationnelle programme local de l'habitat avec la mobilisation des outils du plan d'action foncier intercommunal destiné à produire du foncier opérationnel principalement au profit des logements aidés en location et en accession. Concernant l'accession aidée à la propriété, le TCO s'engage dans la préfiguration d'un organisme de foncière solidaire. Cet outil doit permettre aux ménages à revenus moyens d'accéder à la propriété. Le programme local de l'habitat et de la convention intercommunale d'attribution mettront l'accent sur l'accès au logement locatif social des publics prioritaires. 25% des demandeurs ne peuvent accéder aujourd'hui à un logement social dans le parc neuf. Le plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne 2019-2025 prendra en 2022 une direction plus opérationnelle, d'une part, avec la mise en œuvre du fonds mutualisé d'amélioration de l'habitat, et d'autre part, avec le déploiement de la régie des travaux. Artisans et habitants eux-mêmes seront mobilisés selon la situation. Un service d'accompagnement à la rénovation énergétique en partenariat avec la région sera déployé. Ce service vise à informer, sensibiliser et accompagner les habitants du territoire dans leurs projets de rénovation énergétique. Dans le cadre de la Convention Opération de Revitalisation de Territoire, ERT, une étude sera engagée à l'échelle des sites opérationnels retenus pour la faisabilité d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat multisite. Concernant l'offre en direction des publics spécifiques, les jeunes, les sans domicile fixe, les personnes exposées au risque de violence, les réflexions engagées avec les partenaires permettront de formaliser des réponses adaptées et ajustées à ce public fragilisé dans son parcours de vie, centres d'hébergement d'urgence, accueil de jour et de nuit, structures d'accueil des jeunes, maisons relais, etc. Merci. Merci beaucoup. Sur la partie économie sociale et solidaire, Henri Hippolyte. Merci, Président. S'agissant de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, elle s'inscrit pour l'essentiel dans les réalisations de l'axe 3 des orientations budgétaires. Plus que jamais, cette valeur d'économie sociale et solidaire, reconnue dans la loi du 31 juillet 2014, et qui tente à concilier l'utilité sociale à la performance économique en créant des activités, donc des emplois, devra être au rendez-vous également de la transition écologique, car il n'est point de changement environnemental sans valeur sociale. Tout projet d'économie sociale et solidaire repose donc sur ces trois piliers, une demande sociale, la volonté d'engagement d'acteurs sociaux et un socle de valeurs humanistes et solidaires. La finalité commune est la poursuite de l'intérêt général. La pertinence de l'action des entreprises de l'ESS, de l'Ouest, va donc résider dans leur capacité à vérifier et actualiser régulièrement leur projet de poursuite du juste équilibre de ce triptyque. À cet effet, le TCO souhaite intervenir de manière volontariste sur la coordination et l'animation du réseau de l'économie sociale et solidaire. L'appui à la structuration et à la professionnalisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ainsi que l'accompagnement à l'ingénierie administrative et financière, demeure au cœur de notre action, tout comme le développement de la commande publique socialement responsable sur l'ensemble du territoire. L'accompagnement des ACI, ateliers chantiers d'insertion, est un pilier de la politique de soutien structurel de l'ESS. Ce soutien se poursuivra en 2022. Il sera proposé l'organisation d'un événementiel intercommunal dans le cadre des journées de l'ESS en 2022. Une étude de faisabilité d'une menée locale sera également engagée. Enfin, pour apporter une meilleure lisibilité à l'action en la matière en 2022, un nouveau diagnostic sera réalisé afin de proposer des actions adaptées aux besoins du territoire ainsi qu'une cartographie des acteurs du territoire. Merci. Sur la partie concernant la politique de la ville, la parole à Denise Delavalle. Merci, Président. L'insertion par l'économie s'inscrit pour l'essentiel dans les réalisations de l'axe 3 aussi. En 2022, la solidarité en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi reste une préoccupation majeure pour le TCO.
L'insertion par l'activité économique permet à notre public sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de bénéficier d'un contrat de travail. Proposé par certaines structures, ce parcours peut comprendre des actions de formation en parallèle. Pour rappel, notre principal public est représenté par des chômeurs de longue durée, des personnes qui touchent des minima sociaux, des jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté et des travailleurs reconnus handicapés. Le TCO participe au dispositif contractuel en faveur de l'accès à l'emploi et la création d'activités. Le dispositif du plan local pour l'insertion et l'emploi, PLIE, a été contractualisé par un protocole signé entre l'État et le TCO pour la période 2015 à 2020. Nous aurons donc un enjeu fort de renégocier ce nouveau protocole pour la période 2022-2027 afin de pérenniser l'action intercommunale grâce au Fonds social européen, principal financeur. Une meilleure coordination de l'ensemble des financeurs est souhaitée pour améliorer l'opérationnalité des chantiers. Il est nécessaire et important de rappeler que les structures spécialisées en insertion sociale et professionnelle mettant en place les ateliers chantiers d'insertion ont encore besoin d'être accompagnées dans le contexte socio-économique actuel. Merci. Merci. Et sur la partie aménagement des hauts et du programme LEADER, la parole à Daniel Posé. Merci, Président. Concernant le développement des hauts et le rééquilibrage du territoire, il s'inscrit pour l'essentiel dans les réalisations de l'axe 3 des orientations budgétaires, concourant à co-construire un territoire solidaire proche de ses communes et de ses habitants. Une priorité est identifiée pour le développement des hauts et le rééquilibrage du territoire dans le cadre de la mandature. La dynamique de développement territorial est le fruit de la réalisation des projets privés et publics. S'agissant de l'opportunité de ces projets, cela amène à distinguer l'appui qui sera apporté aux acteurs publics pour la réalisation des projets impactant l'aménagement durable du territoire et l'appui apporté aux acteurs locaux des hauts dans le cadre des financements européens LEADER. Tergal Ouest, constitué d'acteurs privés et publics des hauts, porte, anime et instruit ce dispositif sur 2014-2022. Sur cette programmation, 9 millions d'euros sont ainsi dédiés au développement rural de l'Ouest. Le TCO poursuivra sa mission d'animation afin de déployer les investissements territoriaux intégrés, ruraux et urbains. À ce titre, ce sont près de 9 millions d'euros qui seront négociés pour venir soutenir nos territoires dans une action de revitalisation des bourgs de proximité et des centres-bourgs des hauts et mi-pentes. L'appui au territoire se déclinera également par la mobilisation d'ingénierie et l'animation dans le cadre de la convention d'opération de revitalisation de territoire 2021-2026 grâce aux acquis des projets Action Cœur de Ville de la commune du Port et de Petite Ville de Demain de la commune de Trois-Bassins et à l'ouverture vers les autres communes du TCO. Investi dans le développement harmonieux du cœur habité sur la base des travaux partenariaux de schéma directeur d'aménagement des îlettes de Mafate, que le TCO engagera son action d'appui pour une meilleure optimisation des interventions opérationnelles dans le cirque de Mafate. Enfin, le TCO a toute légitimité à inscrire son action dans le cadre de la renégociation et l'élaboration de la prochaine génération des contrats de ville. Il apportera une vision globale et collective aux problématiques de ces quartiers en étant force de proposition sur les stratégies à mener en s'appuyant notamment sur ses compétences habitat, économie, culture et mobilité. Merci beaucoup. Et sur la partie culture, la parole à Roxane Posé-Damont. Merci, Monsieur le Président. Donc, le TCO souhaite renforcer l'accompagnement de la filière culturelle et artistique fortement impactée par la crise sanitaire et axer son intervention autour de quatre priorités. En premier lieu, suite au séminaire culture organisé avec les communes membres au second semestre 2021, le TCO souhaite se faire accompagner par une expertise externe pour formaliser et structurer sa nouvelle stratégie culturelle au niveau de sa mise en œuvre.
De même, pour 2022, nous soutiendrons les salles de diffusion du territoire dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets artistiques et culturels pour le territoire en lien avec les communes. Nous avons également comme ambition de redevenir un territoire de festivals par notre soutien aux événementiels culturels structurants qui ont un rayonnement important et un impact économique fort. Le Festival Tam Tam, Hocus Pocus, Réunion Métis, Le Tempo, pour ne citer que. Ainsi, cela permettra de renforcer l'attractivité de notre territoire. Concernant le dispositif Bécali, qui a fêté ses 10 ans cette année, nous souhaitons le renforcer et le pérenniser avec la mise en place d'une convention d'objectifs pluriannuels avec les salles partenaires. À propos de la valorisation du patrimoine, qui est cher à notre mandature, un état des lieux des actions sera mené au regard des critères à remplir pour le dossier de candidature à la labellisation Pays d'art et d'histoire. Enfin, l'enseignement artistique fera l'objet d'une attention particulière. Au travers de l'école artistique intercommunale de l'Ouest, dont sa vocation d'école décentralisée et au plus proche de ses publics repose sur les valeurs de proximité, de démocratisation des enseignements artistiques et d'égal accès des élèves à ces enseignements. Ainsi, l'ouverture de nouvelles salles de répétition et d'un studio d'enregistrement permettra d'enrichir l'offre d'accueil des pratiques artistiques de l'ENA de Trois-Bassins, culturel structurant, des Hauts de l'Ouest. Le chantier de l'école siège à Plateau-Caillou de l'EIAO, quant à lui, devrait reprendre en 2022 pour une livraison en 2023. Merci. Donc, on ne va pas débattre maintenant. Je vous propose de passer à l'axe 4, puisque Gilles a déjà entamé une partie de cet axe-là. Donc, il reste une seule intervention, celle de Mélissa Cousin, sur la partie déplacement durable. Merci. Un des secteurs qui contribue le plus au réchauffement climatique, c'est celui des transports, des déplacements. Il est donc important de continuer de développer les mobilités alternatives à la voiture et durables. C'est ce que nous faisons en faisant notamment du TCO un territoire cyclable avec de nouveaux services et des itinéraires sécurisés. C'est un des grands objectifs de l'intercommunalité afin de répondre aux enjeux environnementaux. En 2022, les grandes actions en faveur de la mobilité durable seront donc le renforcement du service MobiWest, qui connaît un énorme succès. On a 350 personnes sur liste d'attente et nous avons décidé de renforcer le parc de vélos assistance électrique avec une commande de 300 nouveaux VAE urbains. Cet apport s'ajoutera aux 115 VAE VTT qui arrivent bientôt, une partie en décembre, une partie en juin. Également, nous proposons de mettre en place un régime d'aide à destination des habitants du TCO. Ce régime d'aide pourrait être valable sur les VAE comme sur des vélos musculaires, qu'ils soient neufs ou d'occasion. Nous proposons également le renforcement de l'offre de stationnement vélo initiée en 2020. Le TCO poursuivra en 2022 la pose d'arceaux pour permettre le stationnement un peu partout sur le territoire. Deux boxes à vélo seront implantées sur des lieux de loisirs, sur les plages en particulier, afin d'offrir aux cyclistes la possibilité de se déplacer à vélo et d'aller dans des lieux de loisirs à vélo et de laisser leur vélo en sécurité. La mise en place d'une signalétique vélo également. Un programme de développement d'une signalétique vélo sera préparé en 2022 en relation avec les partenaires institutionnels, gestionnaires de voiries. L'objectif étant de rendre la cyclabilité du territoire de plus en plus visible et lisible par les usagers. Enfin, le TCO s'emploiera à développer de nouvelles sections du projet Sentier Littoral Ouest. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci à tous les élus pour votre présentation, votre implication, le travail qui a été fait sur le fond. Est-ce qu'il y a des interventions ? S'il n'y a pas d'intervention, je pense que il y a eu beaucoup de présentations et les débats sont intervenus. Donc, il vous est demandé de prendre acte de ces orientations budgétaires. Donc, rendez-vous au mois de décembre pour le vote et la formalisation budgétaire de ces orientations. Je propose de passer à l'affaire numéro 4 sur le vote de la décision modificative numéro 1 du budget annexe 2021 de la régie des ports et de plaisance du TCO. La parole à Mireille Morel-Kohanitz. Oui, alors la présente décision modificative numéro 1 intervient après le vote du budget supplémentaire
et a pour objet d'intégrer au budget annexe 2021 de la Régie des ports de plaisance un supplément de recettes d'amodiation de près de 500 000 euros à percevoir après mise à jour des dossiers des commerçants du port de Saint-Gilles en matière de TVA et taxes foncières, entre autres, dans le cadre de l'exécution du protocole transactionnel signé avec le TCO. Parallèlement, de diminuer la participation du TCO, soit moins 163 000 euros, à l'équilibre du budget de la régie en la ramenant au seul montant de l'acompte déjà versé de 307 000 euros. Globalement, la présente décision modificative permet de corriger le budget 2021 de 337 000 euros, soit plus 9%. Ce supplément de budget est principalement affecté au paiement de la taxe foncière du port de Saint-Gilles à hauteur de 120 000 euros, ainsi qu'au reversement à la CCIR du montant de taxe foncière qu'elle a payé de septembre 2019 à décembre 2020, soit 139 000 euros. Cette affaire a reçu un avis favorable en conférence des maires du 4 novembre 2021. Il est donc demandé à l'Assemblée de valider la décision modificative numéro 1 de la Régie des ports de plaisance portant sur le budget 2021 au montant de 4 110 000 euros. Autoriser le président ou son représentant à exécuter les dépenses et recettes nouvelles inscrites aux différents chapitres de la décision modificative numéro 1. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, vote. Okay. Alors, pour le vote, alors là, vous avez le boîtier. Alors, ça, c'est la nouveauté. Donc, ceux qui ont au bureau ont déjà l'occasion de tester. Donc, il faut. Alors, le boîtier, normalement, il faut appuyer sur. Pour allumer, il faut appuyer sur OK. Voilà. Et donc, vous appuyez sur 1 si vous êtes d'accord, 2 si vous êtes contre, et 3 pour les abstentions. Donc, voilà, le vote est ouvert. Et si vous avez des procurations, vous faites la même opération. Donc, au final, on va voir. Il faut appuyer sur OK pour confirmer. Sinon, votre vote n'est pas valide. Et à droite, on voit défiler les votes. Donc, ceux qui n'ont pas voté voient apparaître leur nom à droite. Alors, qui n'a pas voté? Alors, Ahmed Valli est sorti. Madame Florian n'a pas voté. Monsieur Métani n'a pas voté. Daniel Posé n'a pas voté. Appuie sur OK quand tu as fait. Virama. Madame Le Toulec pour Ahmed Valli. Qu'elle a eu les deux boîtiers. Voilà, Jus, c'est bon. Il faut que tu appuies sur OK. Voilà, tout le monde a voté. Merci pour ce vote. Nous proposons l'affaire numéro 5 sur la création de la société publique locale d'aménagement communautaire. Donc, on est sur l'approbation, décision et autorisation. Donc, le TCO a souhaité exprimer l'opportunité de créer un nouvel outil d'aménagement communautaire sous la forme d'une société publique locale, notamment pour accompagner la mise en œuvre opérationnelle de son projet de territoire, au sein duquel s'inscrit notamment la démarche éco-cité. Comme vous avez pu déjà le savoir, 137 millions d'euros sont prévus sur le plan partenarial d'aménagement de l'éco-cité, et en dehors du périmètre, de nombreux investissements prévus sur l'aménagement du littoral, notamment à Trois Bassins, la mise en œuvre de contrats de bourg, des programmes de renouvellement urbain ou encore des équipements sont prévus sur notre territoire. Donc l'objectif de cette société est bien sûr la sécurisation et l'adaptation des contrats selon l'évolution éventuelle des projets. Ce qui est aussi intéressant pour cette société, pour nous, c'est la rapidité des procédures et l'exercice d'un contrôle analogue sur l'activité de la SPL et le statut de droit qui est de statut de droit privé. La société s'inscrirait dans une organisation globale qui verrait le maintien du GIP Éco-Cité en tant qu'outil stratégique de pilotage, d'animation et de coordination. Il s'agit désormais d'acter la décision de création d'une nouvelle société publique locale compétente en matière d'aménagement sur le territoire communautaire et donc de débattre de son positionnement, des différentes sa structure de gouvernance et son dimensionnement.
L'objectif sera de tenir l'Assemblée générale constitutive au plus tard en février 2022. Cette société, comme toutes les SPL, a un statut de société anonyme et relève donc de droit privé des sociétés. Tant qu'à son actionnariat, vous avez dans le rapport une participation de 50% du TCO au capital, participation de la commune de Saint-Paul à hauteur de 16,67% et une participation de 8,33% des communes du Port, de la Possession, de Trois-Bassins et de Saint-Leu. La désignation des administrateurs se fera dans une autre délibération. Donc, le vote de cet outil est essentiel pour le développement de notre territoire, pouvoir disposer chaque commune et de pouvoir intervenir sur le territoire du TCO, donc sur le territoire de chaque commune, permettrait à toutes les communes d'être vraiment acteurs de l'aménagement de son territoire. C'est vraiment l'objectif de cette société. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Merci de me donner la parole. Je voulais juste dire ce que j'ai dit en conférence des maires. Et je vais commencer ce par quoi je vais conclure. La création de cette SPL est une opportunité qu'il nous faut saisir compte tenu des grands projets d'aménagement de l'Ouest. Mais je rappelle encore une fois que le TCO est présent dans la SPL Marina, que la ville du Port l'est également, que cette SPL déjà existante, donc SPL régionale, a déjà fait l'objet d'alerte du commissaire aux comptes sur une possible cessation de paiement. En fait, je le dis parce que cette SPL Grand Ouest viendrait en concurrence de la SPL Marina. Si la SPL Marina est maintenue dans son activité, donc la concurrence avec la SPL Grand Ouest peut apparaître à un moment donné. Donc voilà, moi je veux quand même, d'ici le vote sur la désignation des différents administrateurs, rappeler là aussi notre alerte sur le fait qu'il ne faut pas demain avoir de concurrence entre SPL sur l'aménagement dans l'Ouest, notamment. Voilà. Ok, merci. Merci. Bon, là-dessus, je pense que tout le monde connaît l'existence de Marina et de sa santé financière. Je pense que la région Réunion se préoccupe de ce dossier. Nous-mêmes, sur l'Ouest, il y a des dossiers qui sont portés sur Saint-Paul, sur Saint-Leu et sur le port. Donc, personne. Donc, nous, notre volonté de créer cette société, et ça, c'est partagé par toi-même, Olivier, et l'ensemble des maires, c'est de créer un outil qui nous permettent d'être décideurs des investissements futurs et qui ne rentrent pas dans aujourd'hui le portefeuille de Marina. J'ai cité tout à l'heure les 137 millions du plan partenarial d'aménagement de l'écocité, mais il y a aussi des investissements propres et sur Trois-Bassins, sur Saint-Leu, sur le port, sur la Possession, sur Saint-Paul, qui des investissements nouveaux qui pourraient être destinataire ou pas de cette nouvelle SPL, mais sa création nous permettra à chaque maire de pouvoir vraiment être à la tête d'une société et d'avoir les mains libres pour mener à bien toutes ces opérations d'envergure sur le territoire de la côte ouest. Mais la remarque, on la retient, et donc une réunion avec les élus de la région charge de la SPL Marina se tiendra quand on aura validé cette date de réunion. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Merci. Alors, en tant que jeune élu, je m'interrogeais sur les conditions de création d'une SPL, puisqu'il y a beaucoup de tabous autour de la rémunération, enfin des indemnités d'administrateurs dans des SPL ou des SEM. Et je sais que d'ailleurs, la majorité régionale avait mis en élément le fait que ces élus ne touchent pas d'indemnité. Donc, je voulais savoir si c'est, puisqu'on y a, j'ai pas vu ça dans le rapport, si c'est une obligation de donner une indemnité aux personnes qui siégeront en tant qu'élus, enfin au titre d'élu dans cette SEM, ou vous avez la possibilité de décider dès le début à ce qu'il n'y ait pas d'indemnité pour éviter toute dérive et toute petite guerre qui pourrait y avoir en interne chez la majorité, bien sûr. Merci.
Bon, là-dessus, on est à l'aise. Toutes les sociétés au niveau du TCO, que ce soit Cycléa, Tamarun, la SEMTO, ne reversent aucune indemnité aux élus. D'ailleurs, les élus sont des présidents de société et non pas des présidents directeurs général de société. Donc là-dessus, bon, là, il n'y a pas de tabou, les choses sont très claires au niveau du TCO. Et c'est vrai que certains peuvent fantasmer, mais désolé, pas au niveau du TCO. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de voter. Le vote est ouvert, donc sur les boîtiers. Cadet, Madame Florian et procuration de Monsieur Poinacoulin. Il faut appuyer sur OK. C'est bon ? Parfait. Donc je vous propose de passer à l'affaire numéro 6, un autre dossier important de ce conseil communautaire, qui est l'approbation du dossier de création de la zone d'aménagement concerté de Cambé. Donc, juste pour rappel, avant de passer la parole à Bruno Domaine, que le TCO a initié le 2 novembre 2020 une zone d'aménagement concertée sur le secteur de Cambé-Oméga à Saint-Paul dans le cadre de l'écocité. Cette opération vise à créer un écoquartier mixte comprenant logements, activités, bureaux, commerces, espaces agricoles et équipements culturels, sportifs et de loisirs. Et donc, en application de l'article R 311-2 du code de l'urbanisme, le dossier de création de la ZAC comprenant un rapport de présentation, un plan de situation, un plan de délimitation du paramètre, l'étude d'impact et indiquant le régime fiscal applicable pardon, dans la zone est approuvé par l'organe délibérant. La parole à Bruno Domaine. Merci, Président. Le TCO, dans sa délibération du Conseil communautaire du 2 novembre 2020, a initié la ZAC Cambé Oméga à Saint-Paul et a défini les objectifs du projet et les modalités de la concertation préalable au titre des articles L103-2 et suivants du code de l'urbanisme. L'opération est située sur le site de Cambé, au nord de la commune de Saint-Paul, sur le cœur d'agglomération du TCO. Son périmètre est d'environ 76 hectares et délimité au nord par une limite fixée en dessous du rond-point de l'échangeur de Cambé et au sud par l'avenue du Stade et à l'est par la RN1, à l'ouest par la forêt domaniale, ONF et par les exploitations des carrières en cours. Le projet a par la suite fait l'objet d'une concertation du 9 novembre au 18 décembre 2020. Le projet d'aménagement a ainsi été présenté à la population dans le cadre des réunions publiques, d'ateliers dans les établissements scolaires, d'une exposition itinérante, des rencontres de proximité, d'informations par voie de presse et d'Internet. Le projet d'aménagement a fait l'objet d'une étude d'impact au titre de la rubrique 39 du tableau annexe de l'article R122-2 du Code de l'environnement qui soumet à l'évaluation environnementale systématique les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 hectares. En application des dispositions de l'article L123-19 du Code de l'environnement, la participation du public par voie électronique préalable à l'approbation du dossier de création de ZAC a été ouverte du 23 août au 24 septembre 2021. Les observations du public rejoignant celles formulées lors de la concertation préalable et traduisent globalement un accueil favorable du projet dès lors qu'une attention particulière est portée à son ambition environnementale. Dès lors, conformément à l'article R311-2 du Code de l'urbanisme, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le dossier de création de ZAC Cambé Oméga comprenant un rapport de présentation qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain,
Le projet faisant l'objet d'un dossier de création a été retenu. Un plan de situation, un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone, l'étude d'impact définie par l'article R122-5 du Code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R122-2 et R122-3-1 du même code. Le dossier précise que la part communale de la taxe d'aménagement ne sera pas non exigible dans la zone. Le dossier de création de ZAC de Cambé Oméga est annexé à la présente délibération. Il vous est demandé d'approuver le dossier de création de la ZAC d'aménagement concerté Cambé Oméga, d'approuver le périmètre de la ZAC et le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, de décider de la création de la ZAC Cambé Oméga, de décider d'exonérer les constructions réalisées à l'intérieur du périmètre de la ZAC du champ d'application de la part communale de la taxe d'aménagement et d'autoriser, monsieur le Président, à mettre en œuvre les formalités et à signer les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions ? Pas d'intervention. Juste signaler que c'est voilà une étape décisive dans l'aménagement de cette zone. Ça fait plusieurs années qu'il y a eu des expropriations, plusieurs années qu'il y a eu un travail en profondeur. Donc je remercie les services du TCO pour ce travail, de la commune de Saint-Paul, mais aussi le GIP Écocité, son directeur, M. Franck Setter, sur ce travail qui a été effectué et qui permet aujourd'hui de concrétiser la création de cette ZAC, au moins au niveau des formalités. Après, sur le terrain, bon, voilà, on doit passer à l'étape de terrain. On peut, si le vote est ouvert, passer aux voix, donc à vos boîtiers. Merci. C'est bon ? Restant Brigitte. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose de passer à l'affaire numéro 7 concernant la demande de garantie d'emprunt de la Cédré pour la réhabilitation de l'opération Les Hauts de Fleurimont, 60 LLS sur la commune de Saint-Paul. La parole à Jasmine Béton. Merci, monsieur le président. Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 24 juin 2013, a modifié l'intérêt communautaire du TCO en matière d'équilibre social de l'habitat pour prendre en compte la possibilité de garantir les emprunts contractés par les bailleurs sociaux auprès de la Caisse des dépôts et des consignations CDC. En novembre 2017, un nouveau protocole d'accord 2017-2020 relatif aux modalités de garantie d'emprunt pour le logement social a été signé par tous les partenaires. Ainsi, le TCO a décidé de participer à 100% en faveur des garanties d'emprunt des opérations de logement locatif très social, LLTS, et de réhabilitation dans le cadre du régime d'aide du programme local de l'habitat PLH2 2011-2016. Aussi, il est demandé à l'Assemblée de donner son accord pour la garantie des prêts de la Cédré en faveur de la réhabilitation de l'opération Les Hauts de Fleurimont, 60 logements locatifs sociaux LLS, situés sur la commune de Saint-Paul, représentant un montant de 924 632 euros. La durée prévisionnelle des travaux est de 14 mois, avec une date de début de travaux en décembre 2021 et l'achèvement des travaux prévu pour janvier 2023. Le loyer plafond avant travaux est de 6,22 euros mois mètre carré et le loyer plafond après travaux est de 6,42 euros mois mètre carré afin d'appliquer la révision des loyers à 3,22%, incluant ainsi l'augmentation indiciaire. Cette affaire a reçu un avis favorable en conférence des maires du 14 octobre 2021 et en commission d'aménagement et logement du 7 octobre 2021. Il est demandé à l'Assemblée d'autoriser la garantie de l'emprunt de la Cédré
par le TCO à hauteur de 924 632 euros pour la réhabilitation de l'opération Les Hauts de Florimont, 60 logements locatifs sociaux LLS à Saint-Paul. Merci. Question ? Pas de questions. Je vous propose d'ouvrir le vote. Merci. Est-ce qu'on peut ouvrir le vote, s'il vous plaît ? Voilà. Alors, nous restons Brigitte. Parfait. Donc, je vous propose l'affaire numéro 8, pareil, sur une garantie d'emprunt. Cela concerne la CEMAC pour une opération maison relais 24 LLTS à la possession. La parole à Jasmine Béton. Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 24 juin 2013, a modifié l'intérêt communautaire du TCO en matière d'équilibre social et de l'habitat pour prendre en compte la possibilité de garantir les emprunts contractés par les bailleurs sociaux auprès de la Caisse des dépôts et de consignations. En novembre 2017, un nouveau protocole d'accord 2017-2020 relatif aux modalités de garantie d'emprunt pour le logement social a été signé par tous les partenaires. Ainsi, le TCO a décidé de participer à 100% en faveur des garanties d'emprunt des opérations de logement locatif très social, LLTS, et de réhabilitation dans le cadre du régime d'aide du programme local de l'habitat, PLH2, 2011-2016. Aussi, il est demandé à l'Assemblée de donner son accord pour la garantie des prêts de la CEMAC en faveur de la réalisation de l'opération Maison Relais, 24 logements locatifs très sociaux, LLTS, situés sur la commune de La Possession, pour un montant de 2 324 320 euros. Cette opération fait suite à un appel à projet lancé par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, DJSCS, pour le développement de l'offre de Maison Relais sur le territoire. La CEMAC et l'association Allons Dehors, spécialisée dans la gestion locative à destination des publics dits « grands exclus ». Située en centre-ville, proche d'un complexe sportif et d'un espace naturel vert, la maison relais dont le gestionnaire sera l'association Allons Dehors se compose de 24 logements en T1 et T1 bis, ainsi que de locaux collectifs mutualisés destinés à accueillir des personnes vivant ou ayant vécu à la rue ou en hébergement précaire. L'accompagnement des locataires se fera par un couple d'hôtes. La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois et l'achèvement des travaux est prévu pour mars 2023. Le loyer prévisionnel de mise en service des logements est de 8,12 € mètre carré hors charge. Cette affaire a reçu un avis favorable en conférence des maires du 14 octobre 2021 et en commission d'aménagement et logement du 7 octobre 2021. Il est demandé à l'Assemblée d'autoriser la garantie de l'emprunt de la CEMAC par le TCO à hauteur de 2 324 320 euros pour l'opération Maison Relais 24 LLTS à la possession. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des interventions ? Pas d'intervention, vote. Vous pouvez ouvrir le vote, s'il vous plaît. Merci. Bon, le petit coup de main, il commence à arriver, mais il reste encore à parfaire. Donc, je vous propose de passer à l'affaire numéro 9 sur la demande de garantie d'emprunt HLMA, l'opération Maison Relais à l'EFPA 22 LLTS. Là, on est sur la commune de Trois-Bassins. Est-ce que vous pouvez synthétiser la présentation, s'il vous plaît ? Parce qu'on a encore beaucoup d'affaires à l'ordre du jour. Merci, Jasmine. Alors, cette affaire concerne une demande de garantie d'emprunt pour la réalisation d'une opération de maison relais, logement locatif très social de 22 logements en T1 bis situé à l'entrée de la commune de Trois-Bassins. La gestion de la maison relais sera confiée à l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention, l'autonomie, la LEFPA, pour loger des publics spécifiques, personnes en situation d'exclusion sociale ou ayant des difficultés d'insertion liées à un handicap social, intellectuel ou physique. La durée prévisionnelle des travaux est de 20 mois et l'achèvement des travaux est prévu pour septembre 2022. Le loyer prévisionnel de mise en service des logements est de 7,19 € mètre carré hors charge. Cette affaire a reçu un avis favorable en commission d'aménagement et logement du 4 novembre 2021.
Aussi, il est demandé à l'Assemblée de donner son accord pour la garantie des prêts de la CHLMR en faveur de la réalisation de l'opération Maison Relais 22 logements locatifs très sociaux LLTS situés sur la commune de Trois-Bassins, représentant un montant de 2 075 011 euros et dont la gestion sera assurée par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention, l'autonomie, l'ALEFPA. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, vote. Merci de voter avec vos boîtiers. Tu es parti vite, bravo. Comment ça prend le coup de poignet. Je vous propose l'affaire numéro 10 sur le renouvellement urbain des quartiers Ariste, Bollon et Sidère. Hôte sur le NPRU, l'avenant numéro 1, la convention pluriannuelle. Sur la tranche 1, la parole à Jasmine Béton. Alors, le présent avenant 1 à cette convention concerne une deuxième phase de programmation portant sur la démolition totale ou partielle de deux ensembles de logements locatifs sociaux collectifs du périmètre de renouvellement urbain. Les opérations retenues sont les suivantes. La démolition totale de l'opération Port 15 de la SIDR, soit 87 logements locatifs très sociaux. Pour l'opération Rico Carpaille de la CEMADER, ce seront 195 LLTS. Il est prévu la démolition de 100 logements, la réhabilitation de 95 logements restants et la réhabilitation avec regroupement des locaux commerciaux au sein d'une nouvelle polarité. Ainsi, le site de l'opération Port 15 permettra la reconstruction de 107 logements, 52 logements prélocatifs social PLS, 32 logements locatifs très sociaux et 23 logements locatifs intermédiaires LLI. Le site de l'opération Rico Carpaille permettra la reconstruction d'une résidence jeune active de 30 appartements, la reconstruction de 25 logements pré-social location accession du PSLA individuel et l'aménagement de 20 parcelles à commercialiser pour la construction de logements libres. Pour rappel, ces deux opérations sont conformes aux objectifs du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et du programme local de l'habitat PLH3, s'agissant de la programmation de la diversification des logements proposés. La participation du TCO à hauteur de 289 746 euros intervenant dans le cadre de ce programme porte sur les travaux d'aménagement de ces deux ensembles de logements locatifs. Cette affaire a reçu un avis favorable en commission aménagement et location du logement du 4 novembre 2021 et en conférence des maires du 18 novembre 2021. Il est demandé à l'Assemblée de valider au regard de l'ensemble des éléments proposés cet avenant 1 à la convention pluriannuelle tranche 1 du projet de renouvellement urbain des quartiers Ariste-Bollon SIDA Haute pour une participation du TCO à hauteur de 289 746 euros d'autoriser le président à signer cet avenant. Merci. Des interventions? Pas d'intervention, je propose de voter. Merci beaucoup. Donc, on passe à l'affaire numéro 11 sur la convention d'adhésion Petite Ville de Demain sur la commune de Trois-Bassins. La parole à Daniel Posé. La commune de Trois-Bassins est lauréate du programme Petite Ville de Demain, PVD, qui intervient dans le cadre du plan de relance de l'État pour une période de 6 ans 2020-2026. Ce programme est destiné aux communes de moins de 20 000 habitants afin de leur permettre de concrétiser leur projet de revitalisation. L'engagement de cette démarche doit se concrétiser par la signature d'une convention d'adhésion préalable nécessaire afin que la commune puisse bénéficier des financements de l'État et de la Banque des territoires. La convention formalise une ambition commune de garantir le développement des hauts en créant des facteurs d'attractivité et en valorisant les potentialités, soit de faire de Trois-Bassins une destination touristique, de vie, d'habitat, d'activité et d'emploi. Par ailleurs, ce programme s'articule avec le dispositif Opération de revitalisation de territoire, l'ERT, porté par le TCO. Cette affaire a reçu un avis favorable en commission d'aménagement et logement du 4-11-2021 et à la conférence des maires du jeudi 18 novembre. Il est demandé à l'Assemblée de valider le projet de convention d'adhésion Petite Ville de Demain entre le TCO, la commune de Trois-Bassins, l'État et la Banque des territoires, autoriser le président à signer la convention d'adhésion Petite Ville de Demain entre le TCO, la commune de Trois-Bassins, l'État et la Banque des territoires. Merci beaucoup. Enfin, pour nous, au niveau du TCO, la signature de cette convention est aussi importante que la création de la ZAC Cambé Oméga, parce que c'est tout le territoire qui avance, le cœur d'agglomération, le NPRU du port, mais aussi
Trois Bassins, petite ville de demain. C'est un dossier extrêmement important qui ouvre des perspectives de développement de Trois Bassins sur son territoire et son environnement immédiat. Donc c'est aussi un dossier qui fait partie des grands dossiers de ce jour. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, vote. Merci d'ouvrir le vote. Merci beaucoup. Donc, nous passons à l'affaire numéro 12 sur l'avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle de programme Action Cœur de Ville. Là, on est sur la commune de Port. La parole à Bruno Domaine. Merci, Monsieur le Président. La commune du Port, retenue dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville, a signé en 2019 avec l'État, le TCO et les partenaires locaux une convention cadre qui décline un plan d'action pour soutenir la revitalisation du centre-ville. Un premier avenant à cette convention prolongeant la phase d'initialisation a permis la finalisation de 5 études. Les réflexions sur l'ensemble des thématiques ont conduit à l'élaboration d'une stratégie globale de redynamisation avec un plan d'action adapté au territoire portois qui est retranscrite dans l'avenant numéro 2 de la convention Action Cœur de Ville. Par ailleurs, par la signature de cet avenant, la commune du Port et le TCO s'engagent conjointement dans l'élaboration de l'opération revitalisation du territoire, ORT. Cette affaire a reçu un avis favorable en commission aménagement et logement du 4 novembre 2021 et un avis favorable, pareil, de la conférence des maires du jeudi 18 novembre 2021. Vous êtes demandé de vous prononcer sur cet avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle Action Cœur de Ville. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention. Je propose de voter. Vote pour M. Guigné. Vote. Ok. Donc, l'affaire numéro 13 sur la présentation du rapport annuel relatif à l'exploitation du site du fourrage chaud à Saint-Leu, confié à la SPL Tamarun pour la troisième année de délégation de services publics pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. La parole à Daniel Posé. En 2013, le TCO est devenu propriétaire du four à chaud. Pierre Méralican de Saint-Leu, dernier four à chaud ayant fonctionné à La Réunion. Ce site présente, outre son intérêt patrimonial, un fort potentiel touristique et pédagogique à développer. Laissé à l'abandon depuis la fin d'activité du four, il a fait l'objet d'une réhabilitation en 2014 et 2015, puis d'un travail de valorisation patrimoniale. Afin de favoriser la valorisation touristique de ce patrimoine industriel de l'Ouest, le TCO a décidé en décembre 2017 de confier pour une durée de 7 ans à la société publique locale Tamarun la gestion et l'exploitation du four à chaud. Dans le cadre d'une délégation de services publics, il convient de proposer au Conseil communautaire de se prononcer sur le rapport annuel d'exploitation du four à chaud pour la troisième année de délégation, période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. La délégation de services publics s'articule autour de deux missions principales, la gestion et l'exploitation de l'espace de restauration, la gestion et l'exploitation de l'espace scénographique. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a impacté le fonctionnement du restaurant ainsi que la programmation des activités culturelles. Concernant l'exploitation du restaurant, des difficultés financières avaient été signalées en 2019. Celles-ci se sont aggravées. En janvier 2021, la dette de l'exploitant s'élevait à 33 000 euros. La procédure de résiliation a été lancée début 2021 par Tamarun. Concernant la programmation d'animation culturelle, Tamarun a été en mesure de mettre en place des animations permanentes les premiers samedis du mois, hors confinement, et de proposer des circuits touristiques avec l'Office de tourisme intercommunal. Des associations ont également pu bénéficier de la mise à disposition du site. Les activités du restaurant et de l'espace scénographique seront fortement impactées par les travaux d'assainissement de Saint-Leu débutant en 2022.
À cette occasion, le TCO redéfinira le positionnement souhaité par le TCO pour la mise en valeur de ce site patrimonial apprécié des usagers, mais qui reste à faire connaître davantage au grand public. Cette affaire a reçu un avis favorable en conférence des maires du 14-10-2021 et en commission économie, tourisme, culture et politique de la ville du 21-09-2021 et demandé au conseil communautaire de prendre acte du rapport annuel 2020 relatif à la gestion du site du four à chaux via une délégation de services publics confiée à la SPL Tamarone. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Donc, il vous est demandé de prendre acte de ce rapport. Donc, je vous propose à l'affaire numéro 14, c'est la signature d'une convention d'objectifs pluriannuels sur la période 2022-2024 dans le cadre du dispositif d'aide à la création Bécali. La parole à Roxane Posé-Damont. Merci, Monsieur le Président. Le dispositif Bécali est un dispositif culturel innovant, unique à l'échelle de l'île. Soutenu par le TCO depuis sa création en 2011, la singularité de Bécali réside dans son portage et sa mise en œuvre mutualisée. Les quatre salles de spectacle de l'Ouest, le Séchoir, l'Espace, le Théâtre sous les arbres et le Cabardoc s'unissent et mutualisent leurs moyens et réseaux pour porter Bécali. Chaque année, les quatre salles sélectionnent trois projets artistiques répondant à des critères de qualité, de potentiel et d'ouverture. Afin de garantir la pérennité de Bécali, qui célèbre cette année ses 10 ans, mais aussi d'améliorer l'organisation de l'accueil en résidence des artistes, les quatre salles partenaires du dispositif proposent au TCO la signature d'une convention d'objectifs triennale sur la période 2022-2024. Le conventionnement pluriannuel est un acte juridique qui, sans engager financièrement le TCO, permet de témoigner du soutien de l'intercommunalité aux projets artistiques et culturels. Ce type de conventionnement participe à la structuration de la filière du spectacle vivant et fait partie des actions prioritaires identifiées lors du séminaire culture d'octobre 2021, réunissant les élus communautaires de la Commission économie, tourisme, culture et politique de la ville du TCO, ainsi que les élus communaux délégués à la culture. L'octroi des subventions restera subordonné chaque année à la présentation d'un dossier de demande de subvention enregistré à l'année N-1 et fera l'objet d'une instruction administrative par les services et d'une présentation devant les instances délibérantes du TCO. Par ailleurs, les sommes qui pourraient être engagées dépendront de la délibération du budget primitif du TCO voté chaque année. Cette affaire a reçu un avis favorable en conférence des maires du 4-11-2021 et en commission économie, tourisme, culture et politique de la ville du 19-10-2021. Il est demandé au Conseil communautaire de valider le projet de convention d'objectifs pluriannuels et multipartenariales pour la période 2022-2024 entre le TCO, l'Association de gestion des manifestations du Cabardoc, la compagnie BAO, la régie L'Espace Le Comte de l'Île et l'Association de gestion du Séchoir, et d'autoriser le président du TCO à signer la convention correspondante ainsi que tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste vous informer que les élus présents, qu'on aimerait bien terminer ce conseil. Et donc, celui qui s'en va, il n'y aura plus de quorum. Donc, faites attention. Il y a beaucoup de collègues qui sont partis. Olivier Varot va revenir. Mais en attendant, si on peut terminer dans les bonnes conditions notre réunion. Donc, est-ce qu'il y a des interventions sur cette affaire ? Donc, il n'y a pas d'intervention. Je vous propose de voter à vos boîtiers. Alors, Monsieur Nativel. Restant Brigitte. Parfait. Donc, on passe à une affaire dans le même ordre, sur l'affaire numéro 15, la signature d'une convention d'objectifs pluriannuels et multipartenariales pour la mise en œuvre du projet artistique et culturel du Cabardoc sur la période 2021-2024. La parole à Roxane Posé-Damont. Donc, seul équipement culturel labellisé, scène de musique actuelle, en Outre-mer, le Cabardoc est un acteur majeur de la politique culturelle du TCO. Dans le cadre de ce label, le TCO a signé en 2018 une convention pluriannuelle et multipartenariale avec l'AGEMA Cabardoc pour l'accompagner dans son projet artistique et culturel sur la période 2018 à 2021. La nouvelle direction du Cabardoc a développé un projet artistique et culturel construit en équipe et en concertation avec les usagers, les associations et les institutions partenaires.
5 axes de travail fixent le nouveau projet artistique du Cabardoc autour du soutien à la diffusion de qualité, le développement d'actions culturelles auprès des publics éloignés, la formation de la jeunesse à la culture, le soutien à la création et à la professionnalisation des artistes réunionnais et la décentralisation de spectacles sur le territoire en vue d'élargir l'accès à la culture au plus grand nombre. Il est proposé au TCO d'approuver les termes de cette nouvelle convention d'objectifs pluriannuels et multipartenariales et d'autoriser le président à co-signer la présente convention aux côtés de l'État, la région, le département et la ville du port. Pour rappel, comme précédemment, le conventionnement pluriannuel est un acte juridique qui, sans engager financièrement le TCO, permet de témoigner du soutien de l'intercommunalité aux projets artistiques et culturels. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Oui. Merci, Monsieur le Président. En tant qu'élu municipal délégué à la culture et en tant que président de la commission économie, tourisme, culture et politique de la ville, je me réjouis de la signature de cette convention avec l'AGEMA Cabardoc. Depuis sa création en 2004, le Cabardoc est un outil majeur du rayonnement culturel du territoire ouest. Il enregistre chaque année plus de 16 000 entrées et accueille plus d'une centaine d'artistes venant du monde entier. La moitié des visiteurs viennent de l'ouest, le reste vient de toute l'île. Le Cabardoc est donc clairement un équipement attractif pour notre territoire. Il est, comme on l'a vu dans l'affaire précédente, un lieu qui accueille chaque année le dispositif Bécali aux côtés du Séchoir, de l'espace Le Comte de Lille, du Théâtre sous les arbres, pour accompagner les talents locaux émergents. Il est le seul équipement d'outre-mer à être labellisé scène des musiques actuelles depuis 2007. Enfin, j'aimerais le souligner, il a su, comme les autres acteurs culturels, s'adapter et innover pour continuer ses actions malgré les restrictions sanitaires. Son projet artistique et culturel démontre un réel ancrage territorial avec des liens forts entre le Cabardoc et les acteurs associatifs, éducatifs, sociaux, par exemple à travers les actions hors les murs dans les écoles, les maisons de quartier, les EHPAD ou encore les concierges chez l'habitant. Le projet artistique et culturel qui nous est présenté est totalement en phase avec nos ambitions politiques que j'ai eu l'occasion de réaffirmer lors du séminaire sur la politique culturelle organisé par le TCO récemment. Favoriser l'accès à la culture pour le plus grand nombre, accompagner les pratiques artistiques amateurs et professionnelles et soutenir la création et la diffusion artistique. Enfin, renforcer les partenariats entre les acteurs culturels et les autres acteurs du territoire pour permettre la participation des habitants à la vie culturelle. Il est donc important que l'intercommunalité soutienne cet équipement structurant en complémentarité du soutien apporté de longue date par la ville de Le Port. Merci. Merci de souligner ce message. C'est vrai que Bécali, ça fait 10 ans. Donc, on fête cette année les 10 ans de Bécali, qui a vu émerger énormément de talents sur le territoire ouest. Et aussi le travail partenarial avec les outils de diffusion sur le territoire. Et maintenant, de travailler dans la pérennité, c'est-à-dire une convention pluriannuelle, ça permet de consolider les efforts faits par les acteurs culturels sur le territoire. Est-ce qu'il y a des interventions ? Sinon, je propose de voter. À vos boîtiers. Merci. L'affaire numéro 16 sur l'adhésion du TCO au groupe d'intérêt public Centre de sécurité requin. La réunion et désignation de son représentant au sein du groupement. Donc, nous avons été sollicités par l'État pour faire partie de ce groupement d'intérêt public, au même titre que la CINOR et la CIVIS qui ont déjà délibéré et acté leur intégration du TCO dans ce groupement. Il vous est proposé de acter notre participation à hauteur de 45 000 euros, soit à hauteur de 2% du capital. Pourquoi adhérer à ce GIP ? Plusieurs raisons. TCO a une compétence sur le tourisme, donc nous n'avons pas, comme la CIVIS par exemple, la compétence sur la gestion de la sécurité des baigneurs. Mais au-delà de ça, participer, ça permet aussi d'apporter notre contribution à la sécurisation des plages sur le territoire, bien évidemment dans le cadre de nos compétences et non pas au-delà de ce qui pourrait être fait. Donc il vous est demandé d'approuver cette adhésion, de valider la contribution financière de 2% du budget primitif, de désigner les représentants titulaires et représentants suppléants au TCO, au conseil d'administration,
et d'autoriser le président à signer les actes nécessaires à l'adhésion à la communauté d'agglomération au sein du GIP Sécurité Requin de La Réunion. Donc, il vous est proposé la candidature de Virginie Salé en tant que représentante titulaire et de Madame Brigitte Dali en tant que représentante suppléante. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Monsieur Nativel est candidat. Donc, pardon? Je vais vous poser une question. D'accord, allez-y. Enfin, une question et quelques remarques d'ailleurs. Donc, tout d'abord, je félicite le TCO de soutenir donc la résolution du risque requin, qui est une problématique qui traverse l'ensemble des communes de cette PCI. Par contre, je mets en garde très fortement parce qu'on a constaté dans les politiques publiques menées depuis presque plus de 10 ans maintenant par l'État un énorme gaspillage d'argent public pour des résultats dérisoires, quoi qu'ils en disent. Il y a environ 2000 personnes maintenant qui sont dans l'eau, la plupart du temps sans aucune sécurisation et dans un contexte d'interdiction. Les moyens, peu coûteux, même gratuits et efficaces, sont refusés au profit d'expérimentations indéfinies. J'invite aussi l'ensemble de mes collègues élus à être sensibles à cette problématique au-delà des simples maires des communes concernées, parce que il y a un gros problème avec la mer récréative à l'île de la Réunion. Et il serait bon, à côté de tout cet argent qui est mis sur la table, d'essayer d'œuvrer réconcilier les Réunionnais avec l'océan récréatif. C'est loin d'être le cas. Et on a, il suffit de voir sur les 10 années écoulées, aucun élu qui s'est positionné sur ce sujet, ou alors très peu, de façon très sporadique, comme si c'était un sujet qui concernait pas du tout finalement les Réunionnais. L'île de la Réunion, c'est pas assez, politiquement correct ou électoralement juteux. Donc j'invite mes collègues élus à s'emparer, maintenant que ça c'est présent aussi au TCO. Non, mais... mon opinion. Non, juteux, là. Enfin, OULOC a eu du jus pendant longtemps, donc c'est un tout peu tout à fait, monsieur Séraphin. En plus, je dis tout à fait, donc oui, voilà, ah non, mais y a ça pas c'est de vraiment soucis. Un discours je démagogique. Suis et faire un procès d'intention aux élus de Saint-Leu qui ont mis en place des dispositifs, les élus de Trois-Bassins qui ont fait ça, là-dessus, enfin voilà, c'est vrai que vous utilisez cette tribune-là pour essayer de vous valoriser, mais vous ne faites rien du tout. Enfin, écrasez un peu ces interventions de ces élus. Enfin, excusez-moi, je travaille en partenariat. Respect pour nos collègues, parce que moi, mon collègue est en train de sortir en l'air. Non, terminez votre intervention. Oui, je vais terminer mon intervention. Voilà. Je tiens juste à dire que redonner un accès à l'océan et je quitte tout de suite mon mandat d'élu. Vous comprenez, non, je suis là quitter, que... vous l'avez élu, non, mais il suffit de démissionner. Moi, je suis là pour ça. Bah, je suis pas là pour faire carrière, monsieur Séraphin. Je suis là juste pour ça, et vous le savez. Donc maintenant, les élus ont failli depuis 10 ans, et la situation est telle qu'elle est. Le TCO va mettre un pied dans la colle, comme les communes l'ont fait, parce que l'État met dans le piège, puisque c'est lui qui a les clés. Mais allez-y, je soutiens de toute façon. Je rappelle aussi, pour conclure, puisqu'on a l'affaire prochaine, c'est le volet touristique. On a perdu les Jeux Olympiques où la Réunion n'a même pas postulé. Nous sommes à 2 heures de décalage horaire. On aurait été la destination idéale. Ça vous donne un petit peu la mesure de comment on a pu laisser tuer la poule aux œufs d'or. Jamais on n'amènera les Jeux Olympiques pour du football ou du handball, aussi beaux soient nos terrains. Ils en ont des plus beaux ailleurs. Par contre, pour les vagues, on faisait rêver la planète entière. Et j'espère que d'ici 10, 20 ans ou 30 ans, quand 200 ou 300 millions d'euros de plus auront été dépensés, on pourra arriver à trouver une solution. Mais je vous dis encore une fois, elle passe par une reconnaissance de l'océan, enfin de ce patrimoine nautique, et c'est là-dessus que j'œuvre également. Merci. Oui, mais arrêtez ce discours démagogique là-dessus. On a assez entendu. Enfin, moi, je passe la parole à mon collègue de Saint-Leu, parce que alors, dire que personne n'a pas fait rien, mais ça, c'est fini, ça, monsieur. Non, mais juste rappeler à monsieur Nativel que Malété, le premier maire, a pris l'arrêté Zonex, et que si il y a le moindre souci, il y a le moindre accident aujourd'hui au sein de cette Zonex, c'est ma responsabilité et uniquement la mienne qui est engagée. Donc vous savez ça. Donc j'étais le premier à le faire. Donc et personne n'a fait la mi-voix, 1, 2, 3
suite à l'arrêté que nous l'a sorti en janvier. Il y en a d'autres collègues, mais à la sortie. Aujourd'hui, on n'est pas là pour critiquer les élus, mais on est là pour aussi essayer de trouver des solutions, parce que il y avait des élus avant nous, donc ils n'ont pas fait non plus. Aujourd'hui, maman n'est pas là pour critiquer, mais il faut qu'on travaille ensemble avec la région, avec le département à un moment donné, avec le TCO et l'ensemble des communes de la Réunion. Et m'y voit mal aujourd'hui sur cette zone X qu'on a installée à Saint-Leu. Donc c'était 18 mois, l'arrêté c'est pour 18 mois. Aujourd'hui, l'État s'est engagé sur cette durée. Après cette durée de 18 mois, les élus de Saint-Leu et unanimement, on avait dit avec le sous-préfet qu'on payait et qu'on mettait à disposition les locaux, etc. Mais il était hors de question de prendre en charge les vigies, puisqu'on n'a pas les moyens financiers. Après, il ne connaît pas comment il s'est payé par la suite. Mais maman avait dit au départ que maman est d'accord, donne un petit bout, mais après, il ne faut pas non plus que c'est nous qui assume. Hein. Donc, et cette affaire prendra fin, je crois, en milieu d'année, en fin d'année 2022, donc cet arrêté zone X. Et après, normalement, on devrait voler de nos propres ailes, donc on devrait pouvoir, ce que l'a raconté à moi, alors, hein, l'a dit à moi que d'ici décembre 2022, il va pouvoir organiser des manches de championnat du monde, la vendre à moi un peu de rêve. Donc, m'y attend décembre 2022. Pour voir la réalité de ces rêves-là aujourd'hui. Moi, c'est ce que la Vendôme. Merci. Non, ben c'est bien de le préciser. Salut aussi le travail. Daniel Posé, là, il est calme, mais sur son territoire, là, il a fait aussi ce travail-là qui permet aujourd'hui à des champions de s'entraîner dans un espace sécurisé. Et puis là, pendant ces dernières années-là, quand on parle aujourd'hui de jeter l'argent par. À la mer, là, ou la cour d'hier aussi, hein, quand il y a eu sur Saint-Paul tout cet argent qui a été fait dans la précipitation. Aujourd'hui, oubliez un peu les choses, mais cet argent-là, elle était gaspillée parce qu'il fallait prendre le temps de mettre en place ces filets, chose qui est en train d'être fait aujourd'hui avec le centre de sécurité requin, d'étudier les matériaux. Et c'est vrai que ça permettra demain de prendre le relais, parce que l'aspect vigie est une chose, mais après derrière il faut des dispositifs fixes, et là ça permettra de résoudre, au moins d'apporter une solution à cette situation. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, après bon, voilà, si c'est pour être encore dans des discours démagogiques, moi m'y arrête là le débat. Milès, avons encore la parole. Je ne serai jamais autant que vous-même, monsieur Séraphin. Non, mais je tiens juste à dire que je n'étais pas élu à cette époque. Voilà, moi, enfin, vous n'étiez pas élu, mais vous la codez. Oui, j'ai jamais couru derrière autre que le bien commun pour les citoyens. Merci. Voilà, merci. Voilà, au moins c'est clair. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vous propose de passer au vote. Prenez vos boîtiers. Donc tout le monde a voté, donc je vous propose l'affaire numéro 17 sur la validation de la stratégie touristique de l'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest pour la période 2021-2026. La parole à Olivier Ouarou. Oui, merci Monsieur le Président. L'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest, qui a été créé en 2013 sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, s'est vu confier par le TCO des missions obligatoires qui sont inscrites au Code du tourisme, ainsi que des missions spécifiques à la mise en œuvre de la politique touristique intercommunale. L'OTI est aujourd'hui classé en catégorie 1, c'est-à-dire classement d'excellence, et doit donc présenter un dossier de demande de renouvellement de ce classement qui arrive à échéance en mars 2022. Dans le cadre de cette demande de renouvellement, l'OTI a élaboré sa stratégie touristique précisant ses missions et ses actions pour la période 2021-2026. Cette stratégie fait partie des pièces réglementaires obligatoires à fournir dans le dossier constitué à cet effet et qui doit être transmis en préfecture au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2021. Ce document stratégique fixe les objectifs de l'OTI Ouest pour les 6 prochaines années, avec comme objectif principal la dynamisation du territoire, l'augmentation
de la fréquentation chez l'ensemble des prestataires de l'Ouest, et il précise les missions de l'Office de tourisme dans les domaines suivants: politique d'accueil, commercialisation, enfin vous avez toutes ces informations dans le rapport. Cette stratégie touristique de l'OTI Ouest, reprenant ses missions pour la période 2021-26, doit absolument être approuvée par délibération du Conseil communautaire avant d'être annexée au dossier de demande de renouvellement de classement de l'OTI Ouest. Donc il nous est demandé de valider cette stratégie touristique pour la période 2021-2026 et autoriser le président à signer tous les documents afférents à ce dossier. Merci. Merci beaucoup. Donc, signaler cette stratégie touristique qui est vraiment importante pour notre territoire pour les années à venir. Donc, merci aux équipes du TCO qui ont contribué fortement avec les équipes de l'Office de tourisme pour mettre en œuvre cette stratégie qui sera partagée avec l'ensemble des acteurs touristiques pour éventuellement compléter, améliorer sur les années à venir, puisqu'une stratégie a bien sûr à vocation à être amélioré au fil de son application. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, je propose de passer au vote. Merci. Donc, je propose de passer à la fin numéro 18 sur la validation du dossier de demande de renouvellement du classement de l'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest en catégorie 1. La parole à Olivier Guaraud. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce dossier fait suite au précédent, puisque, vous le savez, nous avons un dossier de demande à déposer pour obtenir ce classement. Donc, le niveau de classement de l'Office de tourisme permet aussi aux communes du territoire de prétendre au classement en commune touristique ou en station classée de tourisme. C'est une condition sine qua non, et la perte du classement de l'Office en catégorie 1 entraînerait de manière concomitante la perte de la qualité de commune touristique ou de station classée pour les communes classées. Donc, conformément à l'arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme, l'Office de tourisme a constitué son dossier de demande de renouvellement dans le respect des critères de classement, c'est-à-dire zone géographique d'intervention, mission et engagement organisationnel, qualité et services dispensés, et soumet donc sa stratégie au TCO pour validation. C'est en effet à la communauté d'agglo que revient la responsabilité de formuler la demande de classement auprès du représentant de l'État dans le département. Et donc, il nous appartient aujourd'hui, en assemblée plénière, d'approuver par délibération le dossier complet de demande de classement que vous avez joint au rapport, afin que celui-ci puisse être réputé complet et puisse être transmis à la préfecture. Voilà. Donc, il nous est demandé de valider le dossier qui doit être déposé, de solliciter auprès du préfet de La Réunion le classement de l'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest en catégorie 1 et autoriser le président à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention. Je propose de voter. Ok. Merci. On passe à la fin numéro 19 sur la signature d'une convention de TCO à la commune de Trois-Bassins pour la gestion transitoire des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales urbaines. La parole à Gilles Hubert. Merci. Donc, à l'instar de celles signées avec les quatre autres communes du TCO, il est proposé la signature d'une convention pour la gestion transitoire des eaux pluviales urbaines avec la commune de Trois-Bassins pour l'année 2021. Cette convention va permettre l'entretien courant des ouvrages ainsi que quelques travaux d'investissement prioritaire pour un montant de 283 953,71 €. Cette affaire a reçu un avis favorable en conférence des maires du 4-11-2021 et en commission eau, assainissement et GEMAPI du 3-11-2021. Il est demandé à l'Assemblée d'approuver la signature d'une convention entre le TCO et la commune de Trois-Bassins pour la gestion transitoire des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales urbaines et d'autoriser le président à signer toutes les pièces liées à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je
propose de passer au vote. Merci beaucoup. Je vous propose l'affaire numéro 20 sur l'approbation du rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable et de l'assainissement pour l'année 2020. La parole à Gilles Hubert. Le présent rapport relatif au prix et à la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif concerne l'exercice de l'année 2020. Ce rapport était présenté conformément à l'article L. 222-45 du Code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. Il reflète un exercice 2020 particulier pour plusieurs raisons. Un transfert des compétences de l'eau et de l'assainissement collectif et non collectif qui relève du TCO depuis le 1er janvier 2020. Il s'agit donc d'un premier exercice du genre pour la collectivité. Un exercice qui, à l'instar des modes de gestion DSP, CMOP, Régie, SIAP, des patrimoines hérités et des territoires communaux s'avère complexe à unifier, à moyenner et à harmoniser. Une année particulière du fait de la crise sanitaire et de son impact sur l'activité et les calendriers de tout ordre. Globalement, l'harmonisation de 16 services, 5 pour l'eau, 6 pour l'assainissement collectif et 5 pour l'assainissement non collectif, en 3, en y ajoutant le traitement différencié sur le périmètre, le port, la possession au travers du SIAP jusqu'en octobre 2020 est complexe. Le RPQS de transition constitue le plus petit dénominateur commun des indicateurs de performance et de qualité du service de l'eau et de l'assainissement à l'échelle du TCO. Il doit à la fois permettre aux conseillers communautaires d'apprécier les trois services dans leur globalité, un point essentiel pour poser une stratégie de gestion du petit cycle de l'eau, et à chacun de nos concitoyens d'intégrer cette nouvelle dimension en proposant un document permettant une lecture avec la double échelle commune-communautaire. Cette affaire a reçu un avis favorable en conférence des maires du 4-11-2021 et en commission eau, assainissement et GEMAPI du 3-11-2021. Il est demandé à l'Assemblée d'approuver le rapport sur le prix et la qualité des services RPQS de l'eau potable et de l'assainissement pour l'année 2020, d'autoriser le président à signer tous les actes liés à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Oui. Après, Jasmine. Monsieur Antivel. Merci. Alors, j'avais plusieurs petites remarques concernant ces rapports. Tout d'abord, il n'y a pas d'éléments financiers concernant les recettes. Il n'y a aucun élément sur la dette et sa durée non plus, sa durée d'extinction. Concernant le renouvellement des réseaux d'eau potable et sur les travaux réalisés, il n'y a pas non plus d'éléments. Ensuite, le taux des impayés au niveau du port de 1,6% est assez surprenant, et bon, peut-être que M. Waro a des réponses à donner par rapport à ça sur la façon dont ça fonctionne, ou je ne sais pas si c'est le si c'est géré par la même organisation. Il manque des indicateurs concernant Saint-Paul et Trois-Bassins, alors qu'apparemment ils seraient disponibles. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Le rendement du réseau d'eau potable du port est très élevé à 79%, alors que le volume d'eau comptabilisé est beaucoup plus élevé lui aussi, et par rapport aux autres communes. Donc, dans la mesure où c'est... Voilà, il y a des chiffres qui sont un petit peu surprenants dans ce rapport. Et donc est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une surestimation, vu que ce sont des estimations, puisque ça tranche nettement avec les autres communes. En vous remerciant. Okay. Jasmine, tu voulais intervenir? Oui, Monsieur le Président, j'aimerais intervenir, s'il vous plaît, au nom de notre commune. Le port est parmi les 4 communes où les tarifs de l'eau et l'assainissement sont les plus bas sur l'île, avec Sainte-Rose, Petite-Île et la plaine des Palmis. Dans le cadre du renouvellement prochain des DSP eau assainissement, les élus du port demandent solennellement au président du TCO de prendre les dispositions nécessaires pour éviter d'augmentation de la facture d'eau qui viendrait peser sur les ménages portois. Notre population est une population avec des fragilités économiques et sociales importantes.
Je souhaiterais rappeler quelques chiffres à l'Assemblée ici présente, issus de notre dernière analyse des besoins sociaux. 16 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Peut-être c'est la réponse à M. Nativel. Un taux de chômage important, en particulier pour les jeunes, puisqu'il concerne plus d'un jeune sur trois. Des conditions de logement très difficiles et une difficulté pour beaucoup à boucler les fins de mois. L'accès universel et équitable à l'eau est un droit fondamental en France. L'article 1er de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau rappelle que chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables. Une augmentation du prix de l'eau ne serait pas supportable pour les usagers portois. Elle pourrait conduire certaines familles déjà en difficulté dans de réelles situations de détresse sociale. Nous souhaitons que la réunion organisée prochainement avec le président du TCO permette de trouver une solution acceptable pour tous. Monsieur Nativel, aujourd'hui, la situation sur le port, on a rappelé la situation très particulière de la commune. On parle bien de 16 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons des familles aujourd'hui qui ont du mal à payer leurs factures. Je veux dire, c'est des familles qui aujourd'hui se retournent constamment vers notre CCAS pour pouvoir boucler, qui payent en une, deux, trois fois leurs factures d'eau. Aujourd'hui, les familles sont acculées. La crise sanitaire est passée par là, mais au-delà de la crise sanitaire, les gens ne s'en sortent plus. J'aimerais attirer l'attention vraiment des élus que nous sommes sur les difficultés financières que vivent les familles qui émargent au RSA actuellement. Ça devient de plus en plus difficile de payer un loyer, de payer des factures. Et aujourd'hui, chers élus, il devient de plus en plus difficile de manger à La Réunion. Pour certaines catégories de familles, tout au moins, et moi qui siège au CCAS, je les côtoie de manière régulière. Merci. Merci. Olivier. Oui, merci, Monsieur le Président. Avant de répondre à Monsieur Natif, enfin, je ne vais pas répondre, ce n'est pas des questions, c'est simplement des observations qu'il a pu émettre en lisant le rapport. Aujourd'hui, nous avons souligné, et vous l'avez fait, Monsieur Nativel, la qualité de l'eau, la qualité du rendement au port. C'est le fruit d'un travail très ancien sur notre territoire. Et nous avons investi dès le départ sur une qualité du réseau. Et nous sommes très vigilants chaque année pour que, justement, en termes de rendement, la population n'ait pas à payer des réseaux défectueux. Donc, ne vous étonnez pas de la qualité du rendement. On est parmi les communes, les premières d'ailleurs, à avoir un très bon rendement. Et plutôt que de vous inquiéter, de vous interroger sur le niveau, fixons ça plutôt comme un objectif pour tout le monde, mais ça nécessite du temps, évidemment. Sur le taux d'impayé, alors je ne sais pas si pour vous c'est beaucoup ou pas assez, moi j'estime, et pour avoir échangé avec le fermier, on est sur un taux très faible d'impayé, même si c'est dur, les portois ils payent d'autres factures. Je pense qu'à Saint-Paul c'est la même chose, qu'à Saint-Denis, Saint-Pierre et partout, les Réunionnais sont soucieux, et sur le port on a un dispositif aussi et une population qui est très vigilante sur ce sujet. Sur les points intervenus par Jasmine Béton sur la question du prix, sans vouloir répondre à la place du président, il y a effectivement une interrogation que nous avons formulée à plusieurs reprises au sein du conseil municipal, mais dans plusieurs réunions ici. C'est la raison pour laquelle, et comme tu l'as dit Jasmine, il y a une réunion et des réunions qui vont être poursuivies pour que justement nous n'ayons pas à devoir supporter une augmentation trop forte ou une augmentation tout court de cette facture d'eau. Mais là aussi, nous avons des rendez-vous très importants très bientôt en réunion de travail pour aborder cette question. Et donc, nous reviendrons vers l'ensemble des élus de cette assemblée. Merci pour cette intervention. C'est vrai qu'actuellement, il y a une étude, enfin, il y a un marché, renouvellement d'une délégation de services publics sur le port, sur lesquels les techniciens du port ont été associés, le maire a été informé. Effectivement, on est sur l'offre et la demande. Donc, d'ici la fin de l'année, on doit statuer sur cette délégation, donc avec le maire du port. Donc, on aura à régler cette situation. Et c'est vrai qu'en mettant en exergue la qualité du rendement, les impayés qui sont extrêmement bas, peut-être M. Nativel voulait mettre en exergue la situation catastrophique qui a eu lieu au niveau de la créole, parce que
en valorisant une régie et en espérant avoir des meilleurs résultats. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, monsieur Nativelin, là-dessus. Enfin, il y a un gros travail à faire sur la régie. Et c'est vrai que, par ailleurs, ça permet aussi de montrer ce qu'il est capable de faire bon, sur un territoire différent, bien sûr, avec des réseaux qui ont été régulièrement entretenus, avec des investissements qui ont été réalisés dans le temps. Et c'est vrai, là, notre défi pour établir les indicateurs au niveau de la créole. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Merci. Donc, j'ai bien pris note que vous voyez la DSP comme quelque chose qui peut apporter effectivement une amélioration. Juste. Pas du tout. N'interprétez pas mes paroles. C'est ce qui m'avait semblé. Juste pour monsieur Olivier Waraud, votre taux d'impayé, je le trouve très bas d'ailleurs, parce que quand on voit la possession qui est plutôt aux alentours de 8,6 pour 2019 ou encore Saint-Leu à 8,3 pour 2020, vous êtes exceptionnellement bas. Et surtout si on tient compte des conditions sociales très difficiles que Madame Béton a mis en exergue. Donc, par contre, ce qui me gênait, c'est qu'on n'a pas ces taux pour Saint-Paul et Trois-Bassins. Or, on est sur les chiffres de 2019 et c'est vrai que ça aurait été intéressant. Donc, si vous pouvez avoir ces chiffres, les administratifs peuvent nous les communiquer. Voilà, je suis preneur. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bon, on ne va pas tourner là-dessus. Enfin, il y a des très bons chiffres au port. Il faut s'en féliciter et que tout le monde... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la nature du territoire qui est complètement différent. Tout à l'heure, on a fait la remarque d'une grosse consommation en volume de au port. Oui, parce que ça s'explique. Il y a, c'est un territoire qui héberge énormément d'entreprises qui sont de grands consommateurs d'eau. Et voilà, hein, la petitesse du territoire, etc. Et puis, il y a une histoire aussi au port qui fait qu'aujourd'hui, le territoire est particulièrement exemplaire en termes de rendement, le prix le plus bas de La Réunion. Et juste pour un titre d'information, l'eau à La Réunion est quand même nettement inférieure à la moyenne nationale aussi. Hein. Il faudra intégrer ça aussi dans nos réflexions. Hein. Merci beaucoup. D'autres interventions? Pas d'intervention, je propose de voter. Gisèle Boucher, Métanir, Hélène Rougeau. Merci beaucoup. Je propose de passer à l'affaire numéro 21 de la CMTO, communication du rapport des élus administrateurs au titre de l'année 2020. La parole à Hirsha Doumarji. Oui, monsieur le président. Donc, l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Après une chute rapide et brutale des recettes dès mars 2020, les efforts de la CMTO et du groupement ont permis de rétablir fin 2020 la fréquentation sur le réseau et tendre vers 95% des recettes d'avant Covid. D'importants chantiers ont parallèle été menés en 2020 par la CMTO, avec notamment la dématérialisation des inscriptions au transport scolaire via l'outil Pégase, le déploiement d'un outil de gestion de maintenance assistée par ordinateur pour optimiser les processus d'intervention et gagner en productivité, la refonte complète du système d'aide à l'exploitation. Donc, au terme de l'exercice 2020, la CMTO a dégagé un résultat de 9 775 €. Le rapport financier complet est en annexe. Cette affaire a reçu un avis favorable en conférence de maire du 18 novembre 2021. Il a demandé à l'Assemblée de prendre acte du rapport 2020 des représentants du TCO au sein du conseil d'administration de la CMTO. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc, il vous est demandé de prendre acte de ce rapport. Merci. Affaire 22. Conditions tarifaires des interventions techniques sur les vélos à assistance électrique du service MobiWest. La parole à Mélissa Cousin. Merci. Donc, il s'agit des conditions tarifaires de réparation des vélos à assistance électrique MobiWest qui n'entrent pas dans le cadre de l'entretien régulier ni de la garantie constructeur. Ces tarifs pourraient être les suivants. Donc, le coût de la pièce hors taxe majoré de 30% pour tenir compte des frais et taxes liés à l'importation et coût de l'intervention sur la base d'un coût horaire de maintenance à 60 € hors taxe de l'heure. Ces conditions tarifaires correspondent à celles déjà pratiquées au niveau local pour ce type de service. Donc, il est proposé de valider ces conditions tarifaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote.
Alors, monsieur Nativelle, il vote, il vote pas. Merci beaucoup. Alors, affaire numéro 23, liste des fondations et associations exonérées du versement mobilité. Donc, la parole à Mélissa Cousin. Merci. Donc, en 2016, la Fondation Père Favron a demandé à être exonérée de la taxe versement transport devenue versement mobilité. Au terme d'un long parcours juridique qui est détaillé dans la note, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Saint-Denis a confirmé en mai dernier le bien fondé de la décision du TCO de refuser l'exonération de cette association. Le TCO est donc aujourd'hui dans l'obligation de traduire cette décision de justice en retirant la Fondation Père Favron de la liste des fondations et associations exonérée. En effet, le maintien de la fondation sur cette liste pourrait être qualifié de libéralité de la part du TCO. Cette affaire a eu un avis favorable en conférence des maires du 14 octobre 2021 et en commission mobilité du 1er octobre 2021. Il est demandé à l'Assemblée d'autoriser la désinscription de la fondation Père Favron de la liste des fondations et associations exonérées du versement mobilité, d'autoriser le président ou son représentant à entreprendre les démarches auprès de la Sécurité sociale pour la régularisation des périodes antérieures et d'autoriser le président ou son représentant à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution des présentes. Merci. Des questions ? Pas de questions, vote. Merci. Voilà, c'est bon, merci. Donc, il vous est proposé l'affaire numéro 24, la grille tarifaire des autorisations d'occupation du domaine intercommunal. La parole à Mireille Morel-Koanitz. Oui, alors cette affaire s'inscrit dans le cadre de la gestion patrimoniale des biens fonciers immobiliers du TCO. En avril 2019, le Conseil communautaire du TCO a approuvé les principes et procédures relatifs à l'occupation privative, c'est-à-dire relevant à la fois du domaine public et du domaine privé de l'intercommunalité. La présente délibération a pour objet de déterminer les tarifs d'occupation qui vont être basés sur le caractère de l'occupation, le type d'emplacement, la localisation géographique. Ces tarifs proposés dans la grille en annexe de la note qui vous est présentée constituent des tarifs minimums. Ils peuvent être revalorisés dans le cadre des procédures de sélection et la tarification peut constituer un critère de sélection afin de départager les candidats concurrents. En revanche, si les tarifs sont revus à la baisse, une délibération sera nécessaire pour y déroger. Cette affaire a eu un avis favorable en conférence des maires du 18 novembre 2021 et en commission des affaires générales du 9 novembre 2021. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver la grille tarifaire s'y annexer en ce qu'elle institue des tarifs minimums pour chaque type d'occupation concernée sur le domaine intercommunal du TCO. Merci. Question ? Oui. Oui, merci. Une rapide question. Comme je regardais ce tableau, je voyais pas dedans les occupations au domaine communal, enfin, si ça rentre dans ce cadre-là, bien sûr, au niveau du port, puisque de Saint-Gilles, notamment, puisqu'il y a eu des augmentations cette année. Est-ce que ça apparaît dans ce tableau voilà, merci. Non, on n'est pas du tout sur ce champ-là. On est sur le foncier du TCO qui aujourd'hui n'a pas de règlement concernant une valorisation. Donc c'est pour ça que ce manque est comblé aujourd'hui. Et sur les AOT, c'est quelque chose qui est sur le domaine public portuaire. Et donc que ce soit sur le port de la Pointe des Galets, de Saint-Leu ou de Saint-Gilles, les tarifs ont été spécifiés et aujourd'hui les AOT sont en cours de finalisation. Donc on n'est pas sur le même registre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je propose de passer aux voix. Merci. Jean-Noël, Jean-Baptiste. Mais bon, merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer l'affaire numéro 25 sur la modification de la délibération du 15 avril 2019 intitulée « Principes et procédures relatifs à l'occupation privative du domaine intercommunal du TCO ». La parole à Mireille Morel-Koanitz. Oui, cette affaire est en lien avec l'affaire précédente, numéro 24. Par délibération du 15 avril 2019, le Conseil communautaire du TCO a approuvé les principes et procédures relatifs à l'occupation privative du domaine intercommunal du TCO. Cette délibération a notamment établi l'interdiction de délivrer des autorisations pour les occupations non sédentaires.
Cette interdiction a vocation à être assouplie dès la mise en place des moyens de gestion associés, c'est-à-dire les emplacements, taxation, contrôle. En particulier, il est envisagé d'assouplir cette interdiction sur le site du futur pôle d'échange du port qui accueillera prochainement des food trucks lors de la mise en exploitation de l'équipement. Cette affaire a eu un avis favorable en conférence des maires du 18 novembre 2021 et en commission des affaires générales le 9 novembre 2021. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver la modification de la délibération numéro 2019-014-CC15 du 15 avril 2019 suvisée en vue de permettre l'autorisation des occupations non sédentaires sur le futur pôle d'échange du port. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Vote. Merci. L'affaire numéro 26 sur la DUP Cambé, vous proposez la signature d'un accord relatif à l'éviction amiable de l'occupant de la parcelle HN8 hors du périmètre d'expropriation écocité Cambé Oméga. La parole à Mireille Morel-Cohenic. Dans le cadre de la procédure d'expropriation en cours pour l'opération d'aménagement urbain Cambé Oméga, le TCO est tenu d'indemniser les occupants économiques expropriés en vertu des dispositions du Code de l'expropriation et du Code de l'urbanisme. La société Bois Rouge Automobile fait partie de ses occupants économiques. Elle occupe la parcelle HN8 située en bordure de la 4 voies. Le TCO a pris possession de cette parcelle en février 2020 après avoir procédé au paiement des indemnités dues aux propriétaires expropriés. Le 18 octobre 2021, le TCO a formulé une offre indemnitaire d'un montant de 352 000 euros sur la base du rapport d'expertise établi le 23 septembre 2021. La société a accepté cette offre par courrier du 21 octobre 2021. Il est par conséquent nécessaire de signer une convention d'éviction amiable avec la société Bois Rouge Automobile. Cette affaire a eu un avis favorable en conférence des maires du 18 novembre 2021 et en commission des affaires générales du 9 novembre 2021. Il est demandé à l'Assemblée d'accepter le principe et les conditions du protocole de convention d'éviction consenti entre les parties, tel qu'exposé ci-dessus, d'autoriser le président du TCO à signer la dite convention d'éviction, d'autoriser le président du TCO à signer tous les autres actes nécessaires dans le cadre de cette affaire, et enfin dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2021 de la communauté d'agglomération au chapitre et article correspondant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On vote. Merci beaucoup. L'affaire numéro 27, l'information sur la mise à disposition d'un agent auprès de la régie des ports de plaisance. Dans le cadre de sa structuration, la régie des ports de plaisance souhaite recruter une directrice adjointe chargée notamment de coordonner les services financiers et administration ressources humaines, coordonner les projets de développement, participer à la création et l'animation d'un réseau de professionnels. L'Assemblée délibérante est informée qu'à compter du 1er décembre 2021 et sous réserve d'un accord, Mme Marie-Laure Boutillon sera mise à disposition de la régie pour une durée de 3 ans pour exercer à temps complet la fonction de directrice adjointe. La régie des ports de plaisance remboursera au TCO la totalité de la rémunération versée à Mme Boutillon ainsi que les conditions et cotisations sociales afférentes. Un complément de rémunération pourra être versé par la régie à l'agent afin de tenir compte de l'exercice des fonctions de responsabilité spécifique. Il vous est demandé de prendre acte de cette disposition, mise à disposition de Marie-Laure Boutillon auprès de la régie des ports de plaisance à compter du 1er décembre 2021, d'autoriser le président à signer la convention de mise à disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, au-delà de cette affaire, moi je tiens à souligner le travail de cet agent dans la mise en œuvre des AOT, le travail qui a été fait en lien avec les opérateurs, avec les bureaux d'études qui ont été mandatés pour que cette action puisse être finalisée. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Merci. Pascaline Chiron-Amazine.
Merci. Sur l'affaire 28, la désignation du directeur de la régie des ports de plaisance. Donc, par délibération en date du 13 décembre 2016, le TCO a désigné M. Daniel Thébault en qualité de directeur de la régie des ports de plaisance. Ce dernier a informé le président du TCO sa volonté de mettre fin à ses fonctions de directeur de la régie, a sollicité sa réintégration au TCO à compter du 1er décembre. Il convient donc de désigner un nouveau directeur sur proposition du président du TCO, ayant récemment occupé avec efficacité la fonction de directeur par intérim de la régie Port de Plaisance. Je vous propose la candidature de M. François Hazard. Pareil, lui aussi, il a une contribution active sur les travaux qui sont actuellement effectués sur ce Port de Plaisance, mais aussi le suivi de l'ensemble des Ports de Plaisance, que ce soit sur Saint-Leu ou la Pointe des Galets. Et donc, il vous est proposé cette nomination. Est-ce qu'il y a des interventions ? Oui. Oui, juste une courte intervention, comme on est sur une problématique de port, pour juste faire le porte-parole de certains commerçants qui se retrouvent, qui sont dépossédés un petit peu de leur lieu de travail sur le port de Saint-Gilles. Et j'espère que le TCO privilégiera une voie amiable pour régler ces problèmes au cas par cas. Merci. Alors, il n'y a pas d'éviction. Il y a la règle qui est mise en place. Si vous faites allusion au bistrot des pêcheurs, dès le début, tout le monde était au courant, puisque dans l'appel à projet, c'était signifié. On ne peut plus mettre de restaurant à ce lieu compte tenu des impacts sur la sécurité des usagers du port. Il y a une obligation de laisser la voie libre à la circulation des véhicules de secours. Et compte tenu que l'espace est occupé par des tables et des chaises, ça pose depuis plusieurs années un problème de sécurité sur le port de Saint-Gilles. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de problème, mais ce n'est pas pour autant qu'on va engager notre responsabilité là-dessus. Il y a eu la possibilité sur d'autres sites, les personnes ont donné une fin de non-recevoir parce qu'elles n'ont pas postulé. Moi-même, je vais rencontrer ces personnes-là pour voir la finalité de tout ça, mais il n'y a eu aucune... ce que vous reflétez là, ce n'est pas du tout la méthode qui a été faite. Il y a eu plusieurs réunions, plusieurs sensibilisations. Et d'ailleurs, je remercie Mme Boutillon et M. Hazard pour le travail qui a été fait, puisque aujourd'hui, à 95%, le travail est fait et les silos qui sont en cours d'attribution permettront de vraiment clôturer ce dossier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de voter. Affaire numéro 29, remplacement et désignation d'un membre de la commission eau, assainissement et GEMAPI. Donc, M. Carl Bellon a remplacé M. Cyril Melchior, conseiller démissionnaire au sein de la communauté d'agglomération du TCO. Madame Églantine Victorine a décidé de se retirer de la commission eau, assainissement et GEMAPI. Pour la remplacer, il est proposé de désigner la candidature, de désigner M. Carl Bellon, membre de cette commission. Y a-t-il d'autres candidatures ? S'il n'y a pas d'autres candidatures, je vous propose de voter. Oui ? Je voudrais excuser M. Carl Bellon qui est hors département actuellement. Ok, merci beaucoup de cette précision. C'est vrai qu'il n'a pas fait encore son... Si, il était venu déjà. Voilà. Donc maintenant, il pourra être dans une commission. Donc je vous propose de voter. Jean-Noël Jean-Baptiste, Sujel Boucher, Nativel, voté, Rougeau-Hélène. Sujel Boucher, Rougeau-Hélène. Merci. Affaire numéro 30, désignation d'un représentant du TCO, conseil d'administration du collège Roquefeuille. Donc, suite à l'ouverture récente du collège, il est proposé de désigner un élu communautaire pour siéger au sein du conseil d'administration du collège. Il vous est proposé la candidature de Virginie Salé. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? S'il n'y a pas d'autres candidatures, je vous propose de passer aux voix.
merci. Affaire numéro 31, remplacement d'un représentant du TCO au sein du comité de direction de l'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest. Donc, en date du 15 novembre 2021, Madame Le Breton, conseillère municipale de la ville de Saint-Paul et vice-présidente du TCO, a démissionné de sa fonction au sein de l'OTI. Il y a lieu de désigner un nouveau représentant qui sera appelé à siéger et le représenter au sein de la comité de direction de l'Office de tourisme. Il est proposé la candidature de Roxane Posé-Damour. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? S'il n'y a pas d'autres candidatures, je propose de passer au vote. Merci beaucoup. Affaire numéro 32, fixation de l'attribution de compensation suite au transfert de compétences création, aménagement et entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Donc, dans le cadre de cette affaire, il convient de valider l'attribution de compensation à verser aux communes membres suite au transfert de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire. Depuis le 1er janvier 2017, la parole à Mireille Morel-Coanitz. Oui, depuis le 1er janvier 2017, le TCO exerce de plein droit en lieu et place des communes membres de la compétence de création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et ou aéroportuaire. Dès lors qu'il y a eu transfert de compétences, la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, est sollicitée pour évaluer les charges liées à ce transfert de compétences. La CLECT s'est réunie le 23 décembre 2020 et a validé à l'unanimité l'évaluation des charges nettes transférées liées à la compétence des zones d'activité économique à hauteur de 1 216 057. À partir de 2021, l'impact annuel pour les communes est établi comme suit. Le versement par les communes d'une subvention annuelle d'investissement correspondant au renouvellement des investissements publics, soit 576 468 euros. L'ajustement de l'attribution de compensation 2021 à hauteur de 639 589 euros. Le rapport de la CLECT a été transmis aux communes membres le 11 janvier 2021 pour validation par les conseils municipaux. À titre d'information, les dates de conseils municipaux, la possession le 24 mars 2021, le port le 4 mai 2021, Saint-Leu le 30 juin 2021, Saint-Paul le 3 septembre 2021 et Trois-Bassins le 16 septembre 2021. Le rapport de la CLECT a été validé à l'unanimité par les 5 conseils municipaux. Cette affaire a reçu un avis favorable en commission des affaires générales le 9-11-2021 et en conférence des maires le 18 novembre. Il est demandé à l'Assemblée de valider le montant des attributions de compensation pour 2021 à hauteur de 18 460 219 euros avec la répartition suivante. Le port 11 968 261 euros, Saint-Paul 5 713 905 euros, la possession 483 434, Saint-Leu 274 143 et Trois-Bassins 20 475 euros. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Laetitia Breton. Merci beaucoup. Donc, sur la dernière affaire, sur le compte-rendu de décision prise par le bureau communautaire dans le cadre des délégations, je vous propose de prendre acte de ces dossiers. Et je remercie l'administration du TCO pour le travail qui a été fait. Bon, le boîtier, je pense que tout le monde se familiarisera. Mais en tout cas, merci à tous les élus présents pour avoir pu permettre la réalisation de ce conseil. La séance est levée.